Bonjour à tous et bonjour à tous. Bienvenue donc au stade Paul Fine pour cet après-midi de rugby très importante pour le rugby ariégeois et en particulier pour la Basse Ariège avec le derby de Fédéral 2 qui va opposer donc le Sporting à Paméen à l'UA Saverdun. Une rencontre très importante pour les deux équipes. On sait l'ambition qui anime les Apaméens en fin de saison. On espère pour eux. Et je pense que les Saverdunois ne me contrediront pas. On espère qu'ils atteindront leur objectif qu'on leur a fixé, c'est-à-dire l'accession à la Fédéral 1. Et on souhaite bien sûr aux Saverdunois le meilleur. On sait la semaine dernière les difficultés qu'ils ont eues à jouer cette équipe de Villefranche, cette remarquable équipe de Villefranche. Aujourd'hui, ils sont au pied du mur et au pied d'une montagne, puisque quand même le Sporting Apaméen est logiquement le favori avec les ambitions qui les animent. Alors aujourd'hui, à côté de moi, pour contre le président de Saverdun, Monsieur Charlie Loubet, et le vice-président de Pamiers, Patrice Galli. Alors on va commencer par les visiteurs avec Patrice. Patrice, le début de saison. À votre objectif, c'est-à-dire jouer les premiers rôles, si possible la première place bien sûr, mais ce sera dur à Villefranche. Et donc, est-ce que vous êtes dans les roues? Dans les clous, on dit. on va pas dire qu'on est dans les clous parce que déjà on a fait un non-match à Castelnaudary et ça nous met un petit boulet quand même, il faut savoir. Bon, après, on va pas. On est bien content aujourd'hui d'être à la deuxième place parce qu'on s'aperçoit que cette poule, Charlie, je pense qu'il dira la même chose que moi, je pense qu'elle est encore plus solide que l'an dernier. Et plus les années passent, plus le niveau s'élève et plus c'est compliqué. Donc on essaie de paraître, nous, l'Ariège. Et on est toujours là, Saverdun, Pamiers. On est là en Fédéral 2. J'espère qu'on y sera demain, les deux clubs. Je souhaite. Voilà. Effectivement, donc c'est pour le petit débat de l'Ariège, un Fédéral 2, deux équipes de très très bon niveau et de grand talent, malgré le non-match, il faut bien le dire, la semaine dernière contre Villefranche, ça a été très dur, mais Villefranche a vraiment haussé son niveau. Alors, les objectifs du sport de l'UAS, on les connaît, c'est essayer de se maintenir. Et pourquoi pas, comme l'a dit Michel Rieu, votre entraîneur, de se qualifier, si possible, en quatrième ou en cinquième position. Mais la poule est finalement très difficile, comme vient de le dire Patrice. La poule est très difficile, effectivement. Si ce n'est que cette année, avec les nouvelles donnes au niveau des qualifiables, il n'y en a que 4. Donc, effectivement, il n'y a que 12 clubs. Il y a 12 clubs dans la poule. Donc, ça va être très difficile de prétendre. Moi, j'ai fini de rêver. Ça fait 12 ans que je m'occupe du club. J'ai fini de rêver. Donc, l'avenir est un meilleur avenir pour la saison passe par un bon résultat aujourd'hui, le meilleur, c'est-à-dire gagner le match. D'abord, quoi qu'il arrive, d'une façon ou d'une autre, en jouant au rugby, bien sûr, de par le derby, très, très satisfait bien sûr d'accueillir Pamiers, c'est fini les rancœurs d'à l'époque et compagnie. On est tous potes, on s'embrasse, on se serre la main, il n'y a aucun problème. Regardez le monde qui est à Saverdun aujourd'hui, toute l'Ariège est réunie pour venir voir le derby, donc satisfait, si ce n'est que pour Saverdun. Ouais, mais ça passe par aujourd'hui pour avoir une meilleure saison, beaucoup plus confortable et de pouvoir lutter 7e ou 7e place. Avec, j'ai vu pas mal d'absents, il y a eu encore beaucoup de blessés la semaine dernière à Balussou. Qu'en est-il de votre effectif, Patrice? Mais c'est exactement la même chose que j'avais dit l'année dernière. 15, mais c'est facile à dire. Mais c'est vrai qu'on a de la casse, ça va de la casse aussi, des suspendus. Donc, je pense qu'on a une équipe vraiment honorable pour essayer d'affronter Saverdun. Mais voilà, j'espère qu'ils se fileront pour essayer de remporter ce derby. Arrivera ce qui arrivera, mais bon, voilà. On ne vient pas en victime ici, ils le savent très bien. Ils viennent avec de l'ambition. Et le meilleur gagnera, et j'espère que le rugby ariégeois sortira vainqueur.
Tarly, c'est pareil, quelques suspendus, puisque la semaine dernière, deux cartons rouges, plus quelques blessés. Oui, effectivement, deux suspendus, un devant, qui nous gêne un peu, hein, parce que quand on perd quelques leaders de jeu, ça dérange, avec en plus un blessé aussi, donc ça veut dire que la seconde ligne titulaire ne sera pas là aujourd'hui, c'est pas grave, comme dit Patrice, mais on sera 15 aussi. On va jouer avec nos valeurs, qui sont celles de Saverdun, et ben, rendez-vous à 18h, mais bon, c'est pas grave. C'est le rugby d'abord. Voilà, on vous souhaite donc merci d'être venu avec nous alors que vous voyez les Apaméens dans leur belle tenue rose qui rentrent au vestiaire. On vous souhaite un bon match à tous les deux et que le rugby ariégeois sorte vainqueur encore aujourd'hui d'une belle journée de rugby à Saverdun. Voilà, c'est une grande sportivité pour nos deux présidents. Alors aujourd'hui, pour présenter avec moi cette rencontre, eh bien c'est notre grand ami Jackie Souquet qui nous a rejoint. Jackie, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, tu vas nous présenter un peu les données de cette rencontre et je te rejoins pour commenter le début de cette rencontre. Les données sont simples. Il y a d'un côté une équipe apaméenne qui est dans le haut du tableau et le deuxième en l'occurrence c'est une équipe saverdunoise qui a déjà grillé un joker la semaine dernière et qui se retrouve 10e sur 12. Donc le match est très important pour les deux équipes dans la mesure où si Pamiers veut rester dans le haut du tableau pour se qualifier et espérer encore mieux, il faut gagner. Et Saverdun, si elle veut recoller, disons, au ventre mou, sans parler de qualification, mais se mettre en tout cas un peu à l'abri du mauvais temps, il faut qu'elle gagne aussi. Ce qui fait que pour quelqu'un de neutre comme nous, c'est l'idéal. On devrait voir une très belle rencontre avec beaucoup d'engagement, beaucoup de rugby, j'espère offensif, mais du combat. Et puis le vent qui risque de jouer un rôle important en fonction de la façon dont chaque équipe l'utilisera. Quoi qu'il en soit, pour le rugby ariégeois, c'est une fête et je suis content d'y participer avec vous. Les Apaméens viennent de rentrer au vestiaire, maintenant c'est le tour des Saverdunois. Et sans doute un dernier mot de l'entraîneur ou du capitaine avant le moment le plus terrible pour un joueur de rugby, pour moi en tout cas, c'est le moment où on va rentrer sur le terrain. On est pressé, il est temps de voir le jour, que l'arbitre siffle et que tout s'engage. En attendant, les réserves nous ont offert un joli spectacle des deux côtés avec une bonne volonté évidente de jouer. Et le match n'est pas terminé. Bon, c'est Saverdun qui l'emporte assez largement, mais les Apaméens ont donné une belle réplique et ça s'est passé dans un bon climat. Oui. Donc la fête a bien commencé avec l'équipe réserve. Ah, vraiment un match de levée de rideau d'une grande correction et avec un rugby de bonne qualité, c'est vrai. Et donc un avantage au tableau d'affichage important pour les locaux puisque 24-0 et le bonus pour le moment offensif. Et oui, on a compris en voyant le banc de touche sauter en l'air. Et voilà notre essai. Voilà le quatrième essai qui leur donne encore un peu plus de tranquillité au cas où dans les deux dernières minutes il y aurait un essai apaméen. Oui, puisqu'il il reste pratiquement le match est pratiquement terminé, oui. Puisque si je me souviens bien, le chronomètre est même parti un peu en retard et donc on a certainement passé la 81e minute. Voilà donc la présentation de cet après-midi. Rugbystique ici à Polfine avec, vous l'avez vu, tout autour de nous beaucoup de monde, oui. Une grande affluence pour cette rencontre et bien sûr on espère, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le meilleur pour cet après-midi. Alors on va passer de suite à la composition des équipes. En commençant, je pense que Franck va nous mettre les visiteurs du Sporting Apaméen, alors que la transformation du bord de la couche est réussie
ce qui fait un score assez élevé. Voilà la composition de l'équipe de Pamiers avec donc en première ligne un ancien Saver du Noix, Thomas Galli, à numéro 1, le pilier. Il sera accompagné de l'autre côté par Jean-Philippe Prado, le numéro 3, et ils encadreront le talonneur Kylian Henry. En deuxième ligne, on retrouvera Yann Richard et l'ancien Marius Nicolaï. En troisième ligne, Manu Lavergne en 6 et Jean-Baptiste Pécris en 7 entoureront le capitaine, on peut dire l'homme par qui le danger peut venir, le meneur d'hommes qui est Mathias Liedos. Pour la charnière, le Sporting Apamien alignera Julien Saint-Tenac à la mêlée et à l'ouverture, l'excellent buteur qui est Thibaut Alvarez. Pour les centres, c'est l'ancienne demi-d'ouverture Alban Cazenave qui officiera aux côtés de Baptiste Bouquet, lui aussi habituellement au poste d'arrière. Il est monté cette fois-ci à numéro 13. Sur les ailes, on retrouvera l'habituel Florian Garcia et c'est le numéro 14 Olivier Bertraud qui habituellement lui aussi joue demi d'ouverture. Vous voyez, on a beaucoup inversé du côté de Pamiers et l'arrière c'est le sud-africain Jos Hart. Pour les remplaçants, Florian Calcal portera le numéro 16, le numéro 17 Antoine Laforgue, le numéro 18 Maxime Potou, numéro 19 Paul Oro, le numéro 20 Julien Laberti, le numéro 21 Damien Benazé, le numéro 22 Sébastien Bazan. Une équipe apamienne coachée par Benoît Marfin et Patrick Miroza. Alors Jackie, pour les Saver du Noix, je te laisse la primeur. Oh, mais on a une première ligne avec, là c'est l'inverse, c'est un apaméen qui est au talonnage. Oui. Alain Delpech, entouré de Santiago Percello et Marc Mignon. Deuxième ligne, Rémi Morelato et Johan Dacuña. Troisième ligne, elle, Mathieu Saint-Tenac et Geoffrey Desjans, le fils de son père, si je ne m'abuse. Et oui. Et en numéro 8, Mathieu Delbosque. En demi. Alors la charnière du côté de Saverdun. Arnaud Lopez, qui a aussi un nom bien connu à ce poste, et Bastien Seguela à l'ouverture. Au centre, Johan Mazière, capitaine, aux côtés de Loïc Jalibert. Aux ailes, Anthony Mascarin, qui est un nom du pays aussi, et Julien Fenois. Et à l'arrière, Brice Gambin, remplaçant, 16, Anthony Pujade, 17, Mehdi Thériou, 18, Anis Sedaoui, 19, Benjamin Rouche, 20, Pierre Surac, 21, Julien Sabatier, 22, Nicolas Alabert, et le coach, bien sûr, Christophe Dumas. Je crois qu'il y a une erreur, puisque les coachs de Saverdun, c'est Michel Rieux. Oui. Et Michel Lopez. Christophe a pris la retraite. Oui, c'est ça, c'était l'année dernière. Et donc c'est Michel Rieux et Michel Lopez, l'ex-champion de France. Champion de France avec le Stade Toulousain. Avec le Stade Toulousain qui donc. 85-86. Deux très très bons coachs et voilà, le match de levée de rideau s'achève avec donc cette victoire logique des Saver du Noix sur le score de 31-0. Le score est lourd quand même pour les Apamiens. Et lourd pour Pamiers parce qu'ils auraient mérité de marquer au moins un essai, ils l'ont manqué de très peu. Mais globalement, c'est quand même Saverdun qui a dominé le match. La preuve, le score ne laisse aucune incertitude de ce côté-là. Effectivement. Et maintenant, les cœurs doivent commencer à s'accélérer dans le couloir des vestiaires. Ah oui. Alors, on vous rappelle donc que les Apaméens sont effectivement deuxième de ces championnats, puisque le 4 a joué un peu en avance contre la Lanterne Rouge Balma. Les Apaméens totalisent 16 points. Assez loin déjà, il faut bien le remarquer, de Villefranche de Lauragais, qui nous a impressionné la semaine dernière contre ces mêmes Saver du Noix et qui vont certainement dans cette poule donner du fil à retordre à tout le monde. Une équipe très jeune, très joueuse, solide dans toutes
dans toutes ces lignes. Donc ça sera très difficile pour les Apaméens d'aller les raccrocher en fin de saison. Du côté des attaques, il faut bien dire que l'UAS est un peu en difficulté puisqu'elle est 10e sur 12 avec seulement 72 points de marqués et avec simplement 6 petits essais. Elle en a également encaissé 18, ce qui est beaucoup. Et c'est une défense qu'il va falloir resserrer aujourd'hui. Les joueurs de Saint-Verdun ont encaissé quand même depuis le début de la saison plus de 130 points, 138 exactement. Alors que les Apaméens sont très solides en défense puisqu'ils occupent la 2e place de cette poule avec seulement 83 points d'encaissés, dont un goal average très difficile pour Saint-Verdun, moins 66, et, oui. Et très favorable pour les visiteurs avec plus 44. Il faut quand même parler un peu du classement britannique. Les Apaméens comptent un plus 4 et c'est l'inverse pour Saint-Verdun à moins 4. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne faut pas se mettre en danger pour le reste de la saison. Il faut impérativement gagner cette rencontre. Ils sont donc au pied du mur et au pied d'une montagne. Oui, une montagne, ça se gagne, ça s'escalade, je suis bien placé pour le savoir, mais la montagne résiste aussi quelquefois. Et les Apaméens sont bien armés pour résister. Ils ont fait un recrutement de haut niveau. Ils ont des ambitions légitimes et s'ils veulent les exprimer dès aujourd'hui, ce serait une bonne chose pour eux parce que tout le monde ne viendra pas gagner à Saint-Verdun quand même. Hein. C'est certain et on a vu cette rencontre puisque nous y étions également contre une équipe de Castellonari qui avait pris 30 points ici, 4 essais. Et oui. Une équipe de Saint-Verdun qui a fait un excellent match, qui aurait même dû en fin de rencontre prendre le point de bonus, ce point de bonus qui leur aurait fait le plus grand bien au jour bien d'aujourd'hui. Alors on n'a pas parlé de l'arbitre aujourd'hui, mais l'arbitre c'est monsieur Laurent Seba et il nous vient du comité du Languedoc. Il faut bien l'avouer, la personne la plus importante qui va aujourd'hui diriger ce derby. Oui. On espère qu'il sera lui aussi à la hauteur de ce qu'on attend des deux équipes. Oui, il a une grosse responsabilité forcément, comme tous les arbitres, mais bien sûr. Aujourd'hui c'est peut-être encore un petit peu plus, parce qu'il y a quand même aussi une question de suprématie, d'orgueil, d'envie de battre le voisin, qui peut rester ami, mais qui est quand même sur le terrain un adversaire. Oui, comme le disait ça ne veut pas dire du tout ennemi, mais l'adversaire, il faut le combattre, il faut jouer mieux que lui, faire moins de fautes et marquer plus de points. C'est simple, finalement. C'est simple, le rugby, le sport en général. Oui. Donc, il faut un point de plus que l'adversaire. Mais aujourd'hui, ce point de plus pour Saint-Verdun, il est très, très important. Très important. Et je crois qu'à cet égard, que l'entame va être, elle aussi, très importante. On peut s'attendre à une entame assez solide. Solide. Je pense aussi. Je pense que les coachs Saint-Verdunois ont remonté les pendules. Ce que certainement ont fait également les dirigeants. Alors on va voir dans quel état d'esprit, et rapidement on va le voir, est bien dans le match. Mais pour l'état d'esprit, je n'ai pas de grande crainte. Je ne crois pas que ni les uns ni les autres ont intérêt à durcir le match, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Mais au niveau du combat, il faut que ça sera sérieux, forcément. Voilà les Apaméens qui rentrent sur le terrain. L'arbitre, M. Seba, et c'est Mathias Liedos, le capitaine, qui amène ses troupes au combat. Donc, les Apaméens vont jouer avec le vent en première mi-temps, un vent qui souffle relativement fort. Et voilà, c'est Mazière avec derrière de suite l'ancien Apaméen, le talonneur de Pamiers, Alain Delpech, très motivé, on pense. Ouais. Aujourd'hui sur cette pelouse Paul Fine. Et la haie d'honneur des réservistes était caractéristique de l'ambiance qui va régner pendant tout ce match et de la motivation des Saint-Verdunois. Bon, ça promet. Allons-y. Et ce qui était très bien également, c'est que dans cette haie d'honneur, il y avait des Apaméens. Oui, absolument. Ce qui dénote vraiment une franche camaraderie entre les deux équipes.
Ni l'une ni l'autre n'a intérêt à détester l'autre, c'est fini ça. C'est exactement. C'était au Moyen-Âge. Oui, et on l'a vu la semaine dernière avec, pour les Saverne du Noir, les deux cartons rouges qu'ils ont reçus avec le deuxième ligne Jean Boulbès et puis l'ailier. L'Argentin qui s'est fait expulser en fin de match, bêtement, il faut bien le dire, et c'est une expulsion logique, mais sévère. C'était sur un essai, il a plongé sur le marqueur des Séville franchois, et l'arbitre n'a eu que cette décision que de le mettre au placard. Oui, c'est dommage. Et puis l'absence aujourd'hui aussi du côté de Saverdun, du deuxième ligne, Pradel, qui risque d'être également préjudiciable. Allez, c'est parti! Avec une bonne remise, une bonne réception des Saverne du Noir. Avec de suite, voilà, on va essayer d'ouvrir avec Mazière qui, sur le petit côté, on a renversé petit côté. Et donc, on va au sol et récupération encore pour les Saverne du Noir. Et la balle avec une chandelle d'Arnaud Lopez, une belle chandelle, hein, bien haute. Et que dit l'arbitre, il y a certainement un plaquage... alors que l'Apaméen n'avait pas les deux pieds au sol et donc pénalité déjà dès la première minute. Oui, là aussi à ce niveau, l'arbitre a intérêt à calmer les esprits tout de suite, même s'il n'y a pas eu de brutalité. Il y avait un geste qui était condamnable, il est condamné, on n'en parle plus. Ça s'est très bien passé. Et évidemment, les Apaméens tentent cette pénalité puisqu'elle est à 41 mètres, légèrement à gauche. Et c'est leur excellent buteur Alvarez qui va tenter des 40 mètres. Elle est relativement facile pour lui. Et en plus, le vent dans son dos ne va pas le désavantager. Oui, Pamier joue avec le vent, mais pour l'instant, il est moins fort que pendant les levées de rideaux. Il souffle légèrement. Mais il est en faveur de Pamier. Il est en faveur, voilà. Oh, puis il peut arriver des rafales avant la fin du match. Hein. Bien sûr, voilà. Mais si je regarde les drapeaux de touche, il bouge moins que tout à l'heure. Allez, on se concentre. Et il faut remarquer la sportivité des spectateurs qui n'ont pas sifflé le buteur. La balle passe en haut des poteaux. Voilà, ouverture du score dès la deuxième minute pour les joueurs visiteurs avec cette pénalité remarquable de Alvarez en haut des poteaux, 3-0. Oui. Il va falloir réagir du côté de Saverdun. Mais oui, mais je crois que la première façon de réagir, c'est d'occuper le camp adverse. Hein. Pour l'instant, ils n'ont pas mis les pieds, maintenant c'est fait. Allez, sur le coup d'envoi, avec une bonne récupération, de Marius Nicolai qui va au sol et qui met à disposition de son demi de mêlée. Voilà, là aussi chandelle et dessous on va avoir Del Bosque qui fait un en avant et qui va mettre son équipe en difficulté. Plaquage, attention, l'arbitre ne dit rien mais le plaquage était un petit peu haut, avec une action pour le pilier Prado. Allez, on ouvre encore là-bas, les Apaméens se montrent de suite dans le jeu, on va revenir grand côté, et alors que nous, mauvaise passe et récupération de Mignot qui va au sol, qui trouve un soutien. On est sur la ligne de 50 mètres avec la balle à disposition. Il y a encore Arnaud Lopez dans le dos de la défense, alors qu'il y a failli avoir une petite faute de récupération pour les Apaméens. Belle action d'Arnaud Lopez et bonne défense mais l'arbitre revient à quelque chose. Quelque chose me dit qu'on n'est pas au bout de nos surprises parce qu'il y a beaucoup d'animation, il y a beaucoup de récupération, de changement de balle, des turnovers et des blessés déjà malheureusement. Oui, mais l'arbitre revient aux 50 mètres et donne une pénalité, mais à Saverdun. Est-ce que c'était sur un hors-jeu? Je n'ai pas bien vu le geste de monsieur l'arbitre, de monsieur Stéba. Je n'ai pas compris. Non. Et donc Arnaud Lopez. Un plaquage à retardement sur le moteur. Voilà, Arnaud Lopez qui va trouver une touche à l'endroit où elle était sortie. Donc rien de bien extraordinaire. On aurait pu faire la touche là-bas. Elle était de toute manière pour Saverdun. Si elle était déjà à Saverdun. Voilà, ça a choisi. Mais
de saisir. Il avait dû dire avantage, et l'avantage à ses yeux n'était pas consommé, donc il est revenu à la pénalité. Avec donc la première... Mais il y a quand même les intentions, hein. On a vu les Saveurs du Nord, oui, dans le Nord 22, on a vu les Apamiens qui contre-attaquaient aussi, c'est prometteur. On sent les deux équipes vouloir... Un peu décousu encore, oui, parce qu'on cherche par les chandelles à déstabiliser un peu la défense adverse, mais pour l'instant il y a des bonnes intentions, c'est très bien. Allez, Alain Delpech au lancer avec une prise de balle pour Pamier. Arnaud Lopez qui va au sol. Pénalité pour un plongeon. Là, oui, l'arbitre, oui, fait le geste, effectivement, et avec un départ de Dejan. Oula, et là, nouvelle faute. Attention, c'est un plaquage dangereux. Alors, quelle va être la décision? Parce qu'il a sifflé très rapidement, monsieur. C'est ça, Seba. C'est à son appréciation. Allez, il appelle le numéro 3 et Prado, et j'ai bien peur qu'il sévisse. Non. Allez, c'est la première. Là, il se fait réprimander puisqu'il en est à sa deuxième faute, oui, consécutive. Donc la prochaine, mais ce sera. Il n'a pas sorti le carton, non, parce qu'il l'a relâché quand même. Oui. Il l'a pris au cou, oui, il n'a pas insisté. Il a vu qu'il faisait faute, donc. Mais il l'accuse quand même de deux fautes successives. Si, il va pas falloir qu'il s'y amuse. À la prochaine, il a droit à la biscotte. Oui. Et donc, on va rester dans les 22 à Pamien, avec toujours le talonneur de Saverdun, Alain Delpech. La prise de balle était un peu contrariée. On a eu du mal à récupérer ce ballon et donc à faire un bon lancement de jeu sur cette action. Et oui. Et puis il faut dire que les deux équipes se connaissent aussi, les vidéos marchent bien, oui, sur les matchs précédents. Et donc, Delpech jouait à Pamiers l'année dernière, de l'autre côté c'est un peu pareil, alors il faut trouver, et encore une prise de balle difficile, mais oui, récupérée. Voilà, Dejan qui est venu sécuriser avec l'aide de son pack le ballon et le met à disposition d'Arnaud Lopez. Arnaud Lopez qui d'habitude joue demi d'ouverture, aujourd'hui il est monté en numéro 9 et il a laissé sa place donc au jeune Seguela. La balle, allez, on va repartir encore au ras pour essayer de fixer un peu plus cette défense à Pamien. Arnaud Lopez qui relance ses trois quarts. Voilà, on essaie d'envoyer du jeu, mais attention, le contest, et oui, le contest est validé par M. Seba. On a parlé du côté de Saverdun et on perd 10 mètres. Oui, contestation. Oui. Alors, il va falloir, vous voyez, on le disait, la discipline, il va falloir attention. Oui. On va perdre 10 mètres. Ils l'ont. Et l'arbitre leur explique que le contest était bon. Oui. Il faut. Effectivement, le. Il devait y avoir un regroupement au sol constitué, c'est-à-dire un rug, ce qu'on appelle un rug maintenant. Et la mêlée spontanée interdit de ramasser le ballon avec les mains. Et très très beau le talonner. De pied. Très très beaucoup de pieds. On va repartir sur une touche dans les 10 mètres. Le vent est reparti là. Le vent est. Ah oui. Il a très bien joué avec le vent et regardez. Oui, il l'a bien utilisé là. Sur les drapeaux de touche, oui, il souffle par rafale et là il souffle. C'est ça. Il souffle beaucoup plus fort que tout à l'heure. Effectivement. Allez, la touche. Avec cette fois-ci le lancé pour Kylian Prado. Attention, le danger rôde maintenant. Là aussi, bien contrarié par les Saveurs du Nord. Et on ne peut pas former ce mol qui aurait été très dangereux à 5 mètres, oui, de la ligne Saveurs du Nord. Alors que, une bonne défense, hein, puisqu'on fait reculer. C'est un drop. Oui. Et il ne passe pas, mais non, l'arbitre mais revient à la pénalité. Le demi-numéré a tapé le drop parce qu'il savait que s'il le manquait, il aurait la pénalité, puisqu'il y avait un avantage. Et donc c'est une coquinerie, le demi-numéré, ça. Il a bien fait, il a bien raison. Sûr. Et cette fois-ci, je pense que c'est Marc Mignot qui se fait houspiller un peu par monsieur l'arbitre. C'est lui qui a été coupable d'une faute. Et c'est une deuxième pénalité pour Saverdun. Et bien sûr, Alvarez ne va pas se priver de la tenter. Et on pouvait lire dans la presse cette semaine que les Saveurs du Nord
essayer de mettre l'accent sur le fait qu'ils faisaient trop de fautes et ils allaient essayer d'en faire moins, mais vous voyez, ils ont encore de mauvaises habitudes. C'est pas des habitudes, mais ils ont tellement envie de bien faire quelquefois qu'ils dépassent la règle. Voilà. Et notamment en récupération du ballon avec la nouvelle règle sur les rucks, une fois que le ruck est constitué, il ne faut plus rien toucher. Il faut attendre que le ballon sorte par talonnage ou à la poussée. Ou contre ruck. Et là, ils ont été emportés par leur élan et par leur fougue. Ouais. Et donc ils sont très vite sanctionnés. Et c'est la deuxième. Mettre en coin avec le vent. Alvarez. C'est bien parti encore. Hein. Et ça passe bien sûr. Et donc à la 10e minute, deuxième pénalité pour les visiteurs, réussie donc toujours par l'excellent numéro 10, Alvarez. Allez, on va. Alors qu'on a eu des occasions du côté de Saverdun, on s'est approché. Malheureusement, les lancers en touche n'ont pas été très sécurisés et les Apamiens ont pu défendre tranquillement. Allez, on est. Si le vent se maintient, les Savernois ont intérêt à faire un minimum de fautes parce que ça risque de leur coûter cher en pénalité et attendre des jours meilleurs en deuxième. Et là, on a vu un en avant de Liedos sur l'excellent coup d'envoi de Saverdun. On est au sol. Allez, l'arbitre laisse encore l'avantage sur l'en avant, mais là, je pense qu'il va être consommé. Non, il laisse toujours bras levé. Il a toujours le bras levé. Et un drop, mais un drop contre le vent. Alors attention, attention, il va revenir. Attention, ah là là. Alors monsieur l'arbitre s'est pressé. Il avait sifflé et malheureusement c'était Fenoy qui était venu chipper le ballon. Mais est-ce que les Apaméens ne s'étaient pas arrêtés par rapport au coup de sifflet de monsieur Sebat? Donc on va laisser le doute. On n'a pas entendu. Oui, le je pense que lui aussi a tapé le drop parce qu'il savait qu'il y avait, pénalité. Un avantage avec pénalité. Alors que moi, je pensais qu'on avait laissé l'avantage sur l'en avant, mais non. Non, c'était une faute. C'était une faute plus grave. Oui. Allez. Et là, on s'aperçoit que les Saverdunois à contre-le-vent sont obligés de jouer en conservant le ballon. Oui, on ne peut pas taper cette pénalité. Elle est trop difficile, elle est en coin. Le vent de face certainement empêcherait le ballon de monter dans les airs et pourquoi pas. Ah oui, face au vent, là, il est trop fort. Quand... Allez, ah voilà, voilà, Saint-Tenac là a bien sécurisé son ballon, mais bonne défense. On s'est bien organisé du côté de Saverdun. On a bien refoulé les joueurs locaux avec une bonne action là, avec Fenoy qui va en première main, balle à Arnaud Lopez pour sa ligne de trois quarts avec Gambin Brisgambin. Oh, plaqué un tout petit peu haut Brisgambin. Et l'arbitre bien sûr va le sanctionner. Allez, il faut jouer cet avantage côté Saverdunois. L'arbitre le leur laisse. La balle à Arnaud Lopez. Arnaud Lopez pour Mazière. Mazière derrière. Mais non, là je pense qu'on va revenir à cette faute. Pourquoi il n'attend pas? Il siffle assez vite. Hein. Oui. Il siffle assez vite. Là, en revanche, la défense ne s'était pas arrêtée. Et l'attaquant avait une chance passé, hein. Peut-être. Peut-être. Bon, enfin. Allez, plaquage haut, oui, pénalité. Ça, c'est les nouvelles consignes pour les arbitres. Le moindre doute sur le plaquage au-dessus des épaules, il faut siffler. Bon, là, il n'était pas méchant. Il y a non. Pas de, non, non. Non, non, il n'y a pas de blessé, il n'y a pas de... Et cette fois-ci, on change de tactique côté... Et puis ce qu'on ne voit pas aussi, c'est que quelquefois, le plaqué se baisse et le plaqueur, au lieu de plaquer aux épaules, parce que maintenant, la mode, c'est de plaquer le ballon. Donc le ballon, pour le plaquer, il faut le plaquer au niveau de la poitrine. Et si le porteur du ballon se baisse, il se fait attraper au niveau du cou et pénalisé. Mais là, quand même, le plaquage était vraiment au cou. Et c'est un peu maintenant... le défaut de tout le monde, c'est qu'on veut empêcher la libération. C'est ça. Et donc, on plaque à hauteur du buste et finalement, il arrive souvent que ce soit des plaquages au haut. Allez, la pénalité, ce n'est pas Arnaud Lopez qui bute aujourd'hui, mais Loïc Jalibert qui a un bon taux lui aussi de réussite. Voilà la pénalité et qui va passer. Ah, qui heurte le poteau! Et avec peut-être une récupération de Pamiers, là-bas, en avant, c'est dommage.
Le vent l'a dévié sur le poteau. Un très beau coup de pied de Jalibert. Malheureusement, la malchance n'a qu'il pas avait, voulu. Il avait bien joué, il avait visé le poteau gauche en pensant au vent, mais le vent était plus fort que le ballon. Allez, on sécurise et on se dégage du côté de Pamiers. On ne prend pas le moindre risque. On joue depuis 15 minutes de jeu et après 15 minutes, eh bien, les visiteurs mènent, vous le voyez, au tableau d'affichage 6-0. Il va falloir essayer le plus rapidement possible pour les locaux de revenir dans le match, ou du moins au tableau d'affichage. Allez, c'est toujours Alain Delpech. La dernière touche avait été excellente. On va voir si on trouve des gens ou Saint-Enac. Voilà, c'est des gens qui, de suite, à Arnaud Lopez pour Mazière. Pour son demi d'ouverture avec peut-être une bonne action pour Brice Gambin avec un petit coup de pied à suivre pour, attention, on est sur la ligne et c'est, alors là, une énorme erreur. Ah oui, une énorme erreur de Jos Hart, il me semble, ou de l'ailier, c'est l'ailier Bertrand qui fait une faute assez incroyable. Mais oui, mais quand, vous savez, le coup de pied est très vicieux. Il roule par terre avec de l'effet et au dernier moment, ça fait un faux rebond et il a manqué. Il a attendu qu'il franchisse la ligne pour s'y coucher dessus. Mais au moment de s'y coucher dessus, c'est le ballon qui a fait un crochet. Le ballon avec l'effet qu'il avait donné. Et il y avait deux Savers du Nord, il y avait Mascarenhas. Et finalement, eh bien, c'est, il me semble, il a bien cru aplatir et il ne l'a pas aplati. Et c'est Loïc Jalibert qui est venu inscrire cet essai. Un essai qui va faire énormément de bien. Voilà la faute terrible, terrible. Pour l'ailier Apaméen. Oui, c'est l'ailier gauche. Hein. C'est Florian Garcia oui, qui fait cette faute. Parce qu'il couvrait le. Allez, la transformation. Et cette fois-ci, il a très bien joué avec le vent, Loïc Jalibert. Avec donc le score en faveur de Saverdun. Avec donc l'essai de Loïc Jalibert et transformé par lui-même. Et ce qui fait que. Après maintenant 16 minutes de jeu, et bien à la surprise générale, parce que les Apaméens oui. dominaient, il faut bien le dire. Il faut bien reconnaître que cet essai, enfin, ce changement au score vient un peu contre le cours du jeu, parce que surtout avec le vent et leur ballon, les Apaméens dominent ce début de match et ont eu logiquement deux pénalités. Ils sont passés bien plus de temps que les Saverdunois dans les 22. Et donc, mais sur leur première grosse, il y avait eu également le poteau de Jalibert. Et oui. Là, sur cette belle action de l'ailier Saverdunois, Mascarenhas, qui contre Castellonari avait marqué 3 essais. Et bien, encore une fois, il se montre à son avantage. Voilà, une belle prise, un mauvais lancer, mais. Je pense qu'on avait sauté trop vite et donc la balle est rendue à Liedos qui se faufile dans la défense Saverdunoise. Allez, on est reparti avec un très très bon plaquage offensif pour peut-être un petit en aval là, entre Bertrand. Oh là, allez, un peu de chamaillerie, mais il en faut, c'est le derby. Non, c'est pas grave. C'est rien. Allez, c'était une belle action des Apaméens. Malheureusement, il y a eu un léger en avant dans la dernière passe. C'est que le coup du sort, c'est quand même un coup du sort qui vient de subir les Apaméens. Ça ne les a pas empêchés de repartir du bon pied et de dominer de nouveau pour l'instant. Et ils marquent bien leur territoire avec le vent et tout. Ça m'étonnerait que le score en reste là. Oui. Peut-être aurait-il intérêt à jouer davantage au ras un peu pour resserrer la défense avant d'écarter. Mais on ne peut pas le leur reprocher, ils savent ce qu'ils ont à faire. S'ils ont de très bons attaquants, ils les font donner, c'est pas plus mal. Mais je pense qu'au moment où ils les font donner, la défense n'est pas encore déstabilisée. Tout à fait. Il faudrait peut-être insister un peu davantage, ils ont des gaillards devant. Allez. Pour faire reculer la défense saverdunoise. Voyons cette mêlée. Oui, c'est important. Va prendre le dessus? Il n'y en a pas eu beaucoup depuis le début, avec donc introduction et bonne progression des Saverdunois. Donc la première ligne de Saverdun a pris le dessus sur sa vis-à-vis, alors que la balle est toujours pour Arnaud Lopez,
et qui monte une chandelle, une nouvelle chandelle, avec dessous et les Saverdunois du Noir. Et en avant. C'est l'arbitre qui a touché le ballon. Ah, la balle donc va revenir oui, donc, à Saverdun. Il siffle. Ouais, ouais. Ah non. Ah, l'arbitre. Je pensais qu'il n'y avait pas en avant sur. Il doit penser que c'est le l'Apaméen qui a dévié le ballon en l'air. Et comme le ballon l'a touché à lui, il donne le ballon aux Apaméens. À celui qui avait le. Le dernier qui a touché le ballon. Exactement. Allez, voilà, la mêlée, une deuxième mêlée. Cette première mêlée a été remarquable pour les Saverdunois. Les Apamiens ont souffert. On va voir cette deuxième mêlée successive, alors que on a un souci avec le pilier Prado, qui n'a pas l'air d'accord avec monsieur l'arbitre. Là, il y a un problème entre le... Le pilier gauche Saverdunois et le pilier droit Apaméen parce que ce dernier fait 20 cm de plus que son vis-à-vis. Donc, allez. C'est un peu compliqué pour lui. La mêlée. On souffre. Vous voyez, côté, il passe dessous. Et allez, une chandelle. Encore une jour Arnaud Lopez qui va encore donner cette fois-ci petit côté avec un petit coup de pied à suivre pour Gambin. Gambin qui va au pressing défensif. On est à l'entrée des 22 Apaméens. Balle récupérée, sécurisée par Pamé avec un bon départ du pilier Apaméen qui a fait une très très bonne progression. On fait donner maintenant l'excellent Marius Nicolaï, que dit l'arbitre, en avant ou pénalité? Pénalité, non. Effectivement. On a contesté ce que vous disiez tout à l'heure, oui. Jackie. Ils ne sont pas sur leurs appuis, là. On n'est pas sur les appuis et on se laisse emporter. Et donc, pénalité, oui. Ce qui va permettre aux joueurs de la cité du Frédéric de revenir dans le camp. Des grandes consignes de sévérité pour essayer de libérer le jeu plus vite. Parce que bien sûr, si quelqu'un met la main sur le ballon, ça retarde la libération. Allez, c'est Alvarez qui va se charger de ramener son équipe dans le camp. On a vu tout à l'heure l'excellent coup de pied. Et cette fois-ci encore, c'est un bon coup de pied puisqu'on va se retrouver aux 22 mètres, à l'entrée des 22 mètres de Saverdun avec bien sûr la remise en jeu pour Kylian Henry et peut-être encore une occasion pour les Apaméens de se montrer dangereux. Oui, il est certain qu'ils sont gênés à la touche. Ils n'arrivent pas à avoir des ballons propres qui leur permettent de progresser positivement, je trouve. Hein. Allez, la touche. Et cette fois-ci, il n'a pas perdu, mais on a joué très rapidement avec Alvarez. Mais il y avait Liedos qui était dans la ligne de trois quarts, mais qui est bien pris par la défense saverdunoise. Alors que là, il y a une petite mésentente des Apaméens. On en progresse toujours là-bas. Pour toujours Alvarez, pour sa ligne de trois quarts, qui revient dans le trafic avec une bonne défense des Saverdunois. Voilà, là, on joue pour ne pas faire faute. On pensait le drop d'Alvarez, mais il s'est ravisé et il vient au contact de Mazière. Attention, si l'arbitre dit que la balle va revenir au Saverdunois. Alors que là, il y a une petite bousculade, mais c'est pas bien méchant, entre Brice Gambin et Olivier Bertrault. Mais ça y est, c'est fini. Que dit l'arbitre? Mais normalement, Alors là, le capitaine Saverdunois a très bien joué le coup. Il a un partenaire qui a bloqué le joueur debout et lui, il a bloqué le ballon. Donc, dans la mesure où il ne pouvait pas aller au sol, le ballon leur revenait puisque le mol devenait improductif. C'est une tactique de plus en plus employée par les grandes équipes parce que ça permet de récupérer le ballon. Je dis facilement, c'est pas facile à faire, mais une fois qu'on a coincé le porteur du ballon, si on l'empêche d'aller au sol, on récupère le ballon. Et effectivement, là, M. Seba donc, a donné la balle aux joueurs de Saverdun. Les Apaméens ont protesté, sont fait pénaliser et ont repris 10 mètres pour ne s'être pas dégagé plus vite de ce regroupement. Finalement, cet essai casquette un peu leur a fait un peu de mal à la tête. Oui.
Et on ne retrouve pas l'envie du début de match. Ils ne doutent pas encore, mais ils ne sont pas au mieux. Ils ne sont pas au mieux. Ils ont l'air moins confiants que tout à l'heure. Alors que là, une belle prise de Dejan à la touche. Ah, la balle est tombée, malheureusement. Et c'est un en avant et ça va être une nouvelle mêlée. Et la fougue saverdunoise compense un peu la différence qu'on pourrait apprécier de niveau collectif. Quoi. Et ensuite, il y a quand même un déficit physique assez important. Les Apaméens sont bien plus costauds, il faut bien le dire, que cette équipe locale qui... C'est pour ça que je crois qu'ils vont se recentrer sur le jeu d'avant un peu pour mater cette équipe saverdunoise. S'il faut le dire comme ça, c'est le combat, c'est ça. Hein. Exactement. Hein. Il faut éprouver l'adversaire jusqu'à ce qu'il craque. Mais par contre, toujours cette domination des Saverdunois à mêlée. On voit les Apaméens souffrir. Regardez, encore une fois, ils sont en difficulté et ils mettent en difficulté le demi de mêlée Apaméen. Et Saint-Enac a eu bien du mal à se dégager. Et donc, c'est une touche aux abords des 50 mètres. Allez, on a essayé d'escroquer un petit peu. Mais M. Seba a demandé au Saverdunois de ne plus tricher. Et donc, la touche est dans le camp de Saverdun aux abords des 50 mètres. C'est le rôle le plus difficile pour un joueur de devenir arbitre touche. Ça, alors, je vous garantis. C'est dur. Entraîneurs ont même du mal à les désigner parce que personne ne veut y aller. C'est très ingrat, très ingrat. Oui. Et le public n'est pas content. Voilà, touche Saint-Enac. Voilà, il y en a pour Delpech. Delpech qui vient au contact mais qui lâche le ballon. Il va siffler parce qu'il y en a en avant de chaque côté, donc ça fait balle au Saverdunois. Et le premier en avant était le premier de Pamier. Sur la touche, oui. Voilà. Le preneur de balle a lâché le ballon vers l'avant. Alors si on fait un peu la différence avec la semaine dernière, où après 20 minutes de jeu, on n'avait pas vu cette équipe de Saverdun. Aujourd'hui, ils sont dans le combat, ils sont présents. Ils sont présents. Et en plus, donc, ils mènent. Ils ont eu la chance de marquer cet essai casquette. Et depuis, on sent les Apaméens pas dans leur assiette, finalement. Oui, je ne sais pas. Il me semble qu'ils ouvrent trop vite. Pour moi, hein, ils devraient un peu insister davantage avec leurs avants pour resserrer la défense adverse avant d'écarter. Voilà, Arnaud Lopez toujours. Mais bon, si ça marche, ça marche. Hein. Bonne mêlée, Del Bosque se sort un peu du guépier. Voilà, et la balle est repartie avec Delpech, bien pris par Liedos. On va repartir. Allez, là on va partir sur une chandelle pour Arnaud Lopez. Elle est bien haute dans le ciel de Saverdun. Et Bertrand, oh, qui fait encore une énorme faute de Bertrand. Malheureusement, déjà n'a pas pu récupérer. Attention, on est sur l'avant, mais bon pressing défensif des Saverdunois qui ne vont pas récupérer le ballon. On s'est bien ressaisi du côté de Pamier, mais Bertrand n'est pas dans son assiette. Hein. Et que dit l'arbitre ? Ah, pénalité. Oui. Encore une fois, au et sol. Voilà. C'est dommage parce qu'on allait récupérer cette touche et là. Bon, vous comprenez, les Saverdunois, ils sont en pleine grinta du point de vue défensif et ils ont du mal à se canaliser quand ils sont près du ballon. Exactement. Et ils veulent le récupérer absolument et donc ils font des fautes. Et on retrouve cet excès de fautes qui leur fait reperdre des dizaines de mètres qu'ils avaient conquis quelquefois difficilement. Et là, c'est dommage. Eh oui, et c'est dommage parce qu'il y avait une occasion d'essai et encore un loupé de l'ailier Bertrand qui aurait pu être à l'avantage de Dejan qui a raté le ballon d'un cheveu et à ce moment-là ça aurait pu être très dangereux s'il avait pu le récupérer ce ballon. Il faut que les Apaméens reprennent le fil de leur match là, qui se retrouvent. Allez là, les deux équipes ne veulent plus prendre de risques. Attention, petit en avant de Mascarène, qui va mettre en difficulté son équipe. Au départ, il n'y avait pas en avant, mais c'est sur la fin de l'action où il relâche une nouvelle fois le ballon et l'arbitre est obligé de siffler. Dans les têtes, il y a quand même de la tension des deux côtés, oui. Parce que c'est des fautes inhabituelles, ça. Il est tourné, il doit ramasser le ballon tranquillement, il est dans ses 22, il dégage, on n'en parle plus. Et ce match, il va peut-être se jouer sur ces petites fautes qui prennent de l'importance au score après, de la façon dont l'équipe adverse arrive à les récupérer au score. Quoi. Alors l'arbitre est toujours attentif
au combat entre les deux piliers, entre le pilier droit et le pilier gauche de Saverdun. Mais à la dernière année, c'est Pamier qui a pris le dessus. Oui, je l'avais vu, oui. Et en deuxième, voilà, là ça se stabilise. Voilà, bonne action avec Liedos pour son demi de mêlée. On revient derrière encore pour Liedos qui vient en soutien, qui est pris par un bon plaquage aux jambes par Del Bosque. Allez, on ouvre. Est-ce que. Et voilà, le bon pressing est toujours ses fautes de main et de nouvel avantage pour Saverdun. Ils vont récupérer. Là-bas, aux abords de la petite tribune d'une mêlée. Vous voyez, ils ont fait quelque chose de bien. Ils partent côté fermé après mêlée. Mais je pense qu'ils auraient dû insister encore un peu dans le fermé pour faire revenir la défense saverdunoise vers la touche. Oui. Et ils ont ouvert tout de suite et la défense n'était pas déstabilisée. Résultat, ils ont reculé. Et finalement, ils tombent un peu dans le jeu de Saverdun puisque on voit Arnaud Lopez qui monte pas mal de chandelles. De l'autre côté, Saint-Onac va en faire de même, mais ça n'a pas le même impact. Et c'est Saverdun qui prend le dessus chaque fois sur ses actions. Allez, la mêlée, cette fois-ci, c'est Arnaud Lopez qui va introduire. Avec les deux dernières mêlées ont été plus... Voilà, c'est Saverdun qui souffre maintenant, oui. Mais Arnaud Lopez récupère le ballon pour Mazière. Mazière qui va en fer de lance... au combat sur ses vis-à-vis, ça avait Mignot cette fois-ci. Mignot qui est attendu par la troisième ligne. Attention, il va falloir aller. Non, il repart encore, mais que dit l'arbitre? Alors là, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un mauvais geste? Aïe, aïe, aïe. Je vois un Saverdunois, un Apaméen, et c'est le numéro 7, Pécris, qui a pris un mauvais coup. Est-ce que c'est. S'il n'a pas marché sur le joueur au sol, voyons. Et ça va être une pénalité de toute manière. Alors, on va voir qui est le coupable, qui va être appelé. Oui, c'est un carton jaune pour Saverdun. Et c'est le. Je pense que quand ils ont relancé le mol, il y en a un qui a dû, peut-être lui, oui. Qui a marché sur le joueur au sol. Alors, c'est pas un coup de pied, c'est pas un, mais c'est une faute. C'est une faute. 32e minute. Donc, premier carton jaune du match. Et c'est le. C'est lequel joueur? Alors on ne le voit pas. Je pense que c'est le numéro 5, non de Pamier. Je ne sais pas si c'est pas Rémi Morelato, non, qui a pris. Effectivement, c'est Rémi Morelato qui a pris un carton jaune, qui a voulu certainement se faire justice sur un Apaméen hors jeu. Et il donne l'occasion à 8 minutes du terme de cette première mi-temps à Alvarez de redonner l'avantage au sien. On est à la 33e minute. Et le score toujours de 7 à 6 qui n'a pas bougé depuis cet essai qui avait été marqué en milieu de première mi-temps. Là, s'il a vu un vilain geste, il a raison de le sanctionner. Ah, mais c'est sinon, sûr. Après, c'est des règlements de compte, on ne s'en sort plus. Hein. Oui, et là, je pense qu'il a affirmé son autorité sur l'action. Il n'y a rien à dire. Allez, très très haute cette pénalité. Et bien sûr, Alvarez ne se fait pas prier à la 33e minute. Vous voyez, encore une faute. Voilà. Trois fautes sanctionnées pour Saverdun et Pamier. Et de nouveau devant, 9 à 7 à l'entame de ce Money Time, de cette première mi-temps. Alors que M. Seba continue à faire la morale au capitaine Saverdun. Jusqu'à la mi-temps et un peu plus, mais surtout jusqu'à la mi-temps. Et les Apaméens peuvent en profiter. Hein. Eh oui, on sait ce que c'est de jouer en infériorité numérique. Et souvent, les différences se font sur des actions comme ça. Voilà. Est-ce que la balle va sortir? Bon coup d'envoi pour les Saverdunois qui mettent en difficulté la défense de Pamier. Allez, on va se dégager toujours. On va revenir. Petite touche trouvée. Elle est aux abords des 40 mètres. Et on va rester dans le camp de Pamier. Alors qu'on le voit, l'arbitre de touche Saverdunois a du mal à arbitrer. Oui, il regarde l'arbitre. Il le regarde pour voir si ça allait bien, s'il était du bon côté. Allez, touche, une nouvelle opportunité pour Saverdun de revenir se montrer dangereux dans la moitié de terrain de Pamier, avec toujours Alain Delpech, certainement ou des gens
ou le troisième ligne Saint-Tenard. Voilà, c'est Dejan qui est choisi. Il réussit à récupérer Arnaud Lopez. C'est un peu en difficulté. Il n'a pas fait un cadeau là. Hein. C'est pas un cadeau qu'il a reçu, oui, Arnaud. Avec la balle pour le demi d'ouverture. Avec Dejan qui est refoulé. Très bonne défense. Oh là, alors que là, est-ce qu'ils ont plongé? Non, non. En avant malheureusement, mais pénalité. Pénalité à nouveau pour Pamiers et certainement des 47 mètres. Je pense qu'Alvarez ne va pas se faire prier de tenter cette pénalité. Nouvelle faute des joueurs de Saverdun alors qu'on voit. Et en plus, Mazière n'est pas en plus, il va falloir qu'il fasse attention parce que ce sont des fautes répétitives du même niveau. Ça peut déboucher sur un autre carton jaune. Sur un carton blanc. Ou blanc, blanc. Oui, blanc. Oui, là c'est blanc. Et donc, attention. Faute technique répétée, attention. Oui, et nouvelle pénalité. Parce que, vous voyez, ça fait trois fois. Oui. Il y a une brutalité ou un jeu dangereux, appelez-le comme vous voulez. Mais les trois autres, c'est chaque fois sur mêlée spontanée, sur rec. Hein. La même chose, hein. Au sol, faute au sol. Toujours ces fautes de... on ne se... Voilà. Parce que la combativité, c'est très bien, ils sont présents partout, mais au moment où le jeu doit être arrêté, il faut savoir s'arrêter. Exactement. Allez, Alvarez, 4 minutes à jouer encore avant la fin de cette première mi-temps et très gros, long coup de pied. Cette fois, à droite. Elle ne passe pas. C'est le premier échec du buteur à Pamiers, mais c'était encore un très très beau coup de pied en haut de poteau. Ça n'est fallu de peu. Il n'a pas assez fauché certainement son ballon. Il n'a pas assez ramené vers les poteaux. Il n'était pas face au poteau. Et donc la balle est passée légèrement à droite des poteaux Saverdunois. Allez, on va repartir avec certainement Arnaud Lopez qui va remettre en jeu au 22. On ne se presse pas du côté de Saverdun. Non, il laisse le soin à son demi d'ouverture de dégager un très bon coup de pied. Puisqu'on arrive dans les 40 mètres, un très bon coup de pied de Seguela avec Liedos. Qui est bien pris. Allez, on repart petit côté pour Alvarez avec une passe juste hein, à hauteur. Elle aurait pu être en avant. Voilà, là c'est Prado, le pilier, qui est lancé. Allez, on va essayer de recentrer les Saverdunois. Je pense qu'ils appliquent ce que vous venez de dire. Oui, ils commencent à faire du jeu à une passe pour que la défense se déstabilise petit à petit. Mais très bonne défense, c'est Saverdunois. Hein. Oui. Ils se replacent bien là, pour l'instant. Mais ils font donner les gros, ils ont raison. Les Pécris, très solide. Oh là, aïe, l'arbitre dirait, non, pénalité. Placage haut. Nouveau placage haut et certainement une nouvelle tentative alors que l'avantage est toujours laissé aux joueurs de Pamiers là-bas qui ont ouvert du côté. Est-ce qu'il n'y a pas un en avant? Non. Allez, non. C'est le plaquage haut, toujours l'avantage qui continue. Encore, voilà. Il continue encore. Hein. Avec Bouquet, on revient toujours. Et là, et cette fois-ci, bonne action pour l'arrière. Et c'est un essai entre les poteaux, certainement, pour l'arrière. Joss Hart qui a échappé au niveau du premier rideau Saverdunois et s'est laissé pas très loin des poteaux. Vous voyez, c'est terrible ce carton jaune. Immédiatement, il est sanctionné d'un essai et 7 points supplémentaires, 15-7. On va certainement arriver avec 10 points d'avance à la mi-temps. À force d'essayer de percuter, d'avancer sur une passe ou deux passes, la défense ne sait plus, ils renversent, ils repartent. La défense perd son placement de base. Tout à fait. Et ensuite, il y a faute de défense, faute de plaquage. Et l'arrière qui s'est très bien intercalé. Et il y a un trou qui s'est créé dans le premier rideau. Oui. La vitesse de Joss Hart, l'ANC, a fait mouche. Et transformation très facile. Donc juste avant la mi-temps, à la 38e minute. N'empêche, vous pouvez calculer comme vous voulez. Depuis le carton jaune, Saverdun a encaissé 10 points. Bien sûr. Avant la mi-temps, juste avant la dernière minute, 10 points. Eh oui.
et il reste encore 3 minutes à jouer à l'infériorité numérique puisque le carton avait été donné à la 32e minute à Morelato et puis c'est une deuxième ligne, c'est quelqu'un qui est au combat, ça fait un trou important et les Apaméens ont su en profiter. Oui, 16, oui. Oui, 16. 17. Non, 16. Ah oui, c'est 10 points, ils ont marqué. Effectivement, oui, c'est une erreur du tableau d'affichage. Oui. 9 et 7, 16. Ah, il s'en est bien sorti là. Fenoy sur le premier en avant et un nouvel en avant alors qu'on rentre dans les arrêts de jeu et que M. Seban ne va pas plus loin dans cette première mi-temps. Une première mi-temps donc dominée, et c'est un peu normal avec le vent, par Pamiers. Les Apaméens ont réussi juste avant la mi-temps à prendre ce petit avantage avec ce carton jaune. On vous rappelle donc que c'était une pénalité des la troisième minute pour le buteur Alvarez qui permettait à son équipe de mener 3-0. Une deuxième pénalité quelques instants après a mené un score de 6-0. Ensuite, on a eu cette énorme erreur de l'arrière-garde de Pamiers et cet essai marqué par Saverdun qui leur permettait, avec la transformation de Loïc Jalibert, c'était l'essai de Jalibert transformé par lui-même. On le voit au ralenti, cette faute et cet essai donc qui permettait à Saverdun de mener 7-6. Il n'y avait rien à se mettre sous la dent, si on peut dire, jusque dans les dernières minutes, cette pénalité suite à la faute de Morelato. Et un très beau crochet intérieur. Et ensuite, cet essai magnifique pour Jos Hart. À la mi-temps, le score donc est de 16-7. Rien n'est perdu, mais la deuxième mi-temps va être difficile pour Saverdun. Oui, le vent va sans doute les aider, oui, s'ils savent bien l'utiliser, et si les Apaméens leur en laissent le loisir, parce que il m'a semblé, bon, il y avait 15 contre 14, mais il m'a semblé qu'ils prenaient le dessus physiquement quand même, petit à petit, en fin de mi-temps, ce qui leur a permis de pénétrer la défense adverse et de finir par marquer cet essai, parce que jusque-là, ils n'avaient marqué que des pénalités, hein. Tout à fait, et on s'en était remis à la faute, à la botte d'Alvarez. Et puis cet essai de Jos Hart fait mal quand même, juste avant la mi-temps, à la tête des Saverdunois. Oui. Et on l'avait craint, on l'avait dit, avec le carton jaune de Morelato. Ça s'est malheureusement confirmé. Oui. Et ce qui est dur pour les Saverdunois, c'est que maintenant, ils savent qu'il faut qu'ils marquent au moins deux fois avec un essai transformé, bien sûr, pour remonter au score, et ça va être compliqué quand même. Hein. Alors, on se trompe toujours dans le tableau d'affichage Saverdunois, puisque le score est effectivement de 16-7. Oui. Allez, une petite pub, et on se retrouve pour le début de cette deuxième mi-temps.
Eh bien, de retour donc à Polfine avec cette première mi-temps qui s'est terminée donc sur le score de 16-7 pour cette équipe de Pamiers, pour les visiteurs. Alors, pendant la mi-temps, on a eu deux scores, puisque les matchs sont terminés sur les autres pelouses. On nous donnera certainement par la suite les résultats, mais l'énorme score de Villefranche-Lauragais qui a écrasé l'équipe de la... de l'ES Catanal sur le score de 47-15. Comme on le disait avant le match, cette équipe de Villefranche-Lauragais est au-dessus. Il n'y a, oui, a pas photo, certainement bonus offensif. Et donc, ça fait un creux supplémentaire. Oui. Et puis, une petite surprise avec la victoire du FCTT. Les Toulousains sont allés gagner à la Salanque. On sait la difficulté, oui, d'aller s'imposer en pays catalan. Belle performance. Hein. Très belle performance. Et le score de 26-23. Oui, oui. Ça, c'est... C'est un exploit. Un et c'est alors, j'essaie de voir le classement, puisque la Salanque... et la Salanque, c'est intéressant pour Saverdun, puisque... en perdant chez eux, ils restent à portée de fusil des noirs et rouges Saverdunois. Par contre, le FC Toulousain fait une très bonne affaire. Villefranche, on n'en parlera pas. Villefranche, avec 5 points de plus, totalise donc 26 points. Et avant le début de cette deuxième mi-temps, compte donc 10 points d'avance déjà sur Pamiers. Il va falloir que les Apaméens réagissent rapidement, oui, et s'ils veulent revenir ou ne pas perdre de temps. Donc il faudrait qu'ils prennent le bonus offensif ici à Saverdun. On sait quand même que ça sera difficile. La deuxième mi-temps, ils vont devoir la jouer contre le vent et certainement contre la furia des Saverdunois. Certainement repris à même par le duo Rieu-Lopez. On va voir ce qui va naître de cette deuxième mi-temps. Oui, parce que rien n'est perdu. Non, rien n'est perdu. Le score n'est mais pas... Mais c'est quand même dommage d'avoir encaissé ces 10 points à 14. Et dans les 5 dernières minutes. Dans les 5 dernières minutes. Et ça fait mal quand même. Hein, ça fait mal aux dents, oui. Quand on est si proche comme ça, devant une équipe a priori meilleure que soi, c'est toujours embêtant. Maintenant, avec le vent, il peut se passer beaucoup de choses encore, y compris dans le sens apaméen, parce que... Il est probable que les Saverdunois vont prendre quelques risques peut-être, et si les Apaméens ne se délitent pas en défense, ils vont être dangereux. Et ils ont encore à peu près 2 minutes à jouer en infériorité numérique, oui, puisque l'expulsion s'est produite vers la 32e minute, oui, et qu'il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. Donc encore 2 bonnes minutes pour que Morellato retrouve ses camarades. Allez, le coup d'envoi pour Seguela. Et de suite, les Apaméens sont bien organisés, ont bien récupéré ce ballon et l'ont bien mis à disposition de leur demi de mêlée. Non, on va progresser, on essaie de progresser, mais pénalité, oui, on cherchait ça. On cherchait la pénalité, on a écroulé le mol qui s'était formé. Ouais. Et nouvelle pénalité. Se mettent encore à la faute, c'est dommage ça. Ils étaient dans le camp adverse avec le vent.
ça sert à rien, il faut la subir, il faut le subir le mol, c'est pas grave, on peut reculer. Si on se met à la faute, on est sûr de repartir dans son camp. Hein. Bien sûr. Allez, bon coup de pied d'Alvarez. En théorie, ils ont le temps, ils ont toute une mi-temps pour refaire leur retard. Donc il ne faut pas se mettre à la faute dès la première minute, c'est dommage. Tout à fait. Le voilà qui rentre. Hein. Ah, oh, l'arbitre, une minute qui restait. On avait compté, oui, davantage. Nous, on avait compté un peu plus, mais bon. Non, tant mieux pour eux. Tant mieux, bien sûr. Allez, on retrouve. Il va me jouer à 15. Ah oui, là, surtout aujourd'hui, avec le poids du pack Apaméen, c'était dur pour Saverdun. C'était dur. Et un homme de moins sans défense. Bien sûr. Allez, la touche. Très longue touche, là. Je crois que ce sera une des clés du match, de voir comment si les Saverdunois résisteront longtemps devant encore. Parce que. Allez, on repart. Vous voyez, ils ont des costauds, ils avancent. Allez, Prado, qui fait une dizaine de mètres. Qui est pris par la défense. Contre le vent, ils ont tout intérêt. Ah, ils n'ont pas le droit. Aïe. Nouvelle faute. On n'a pas le droit de taper dans le ballon. L'année dernière, c'était encore possible. Et cette année, les arbitres, et j'étais à la réunion des arbitres, l'ont bien spécifié. Oui. Ils ne passeraient pas ces fautes. Est-ce qu'il va la tenter? Non, on va en touche. Allez, on mais préfère. C'est-à-dire, ils doivent penser au bonus. Hein. Sûrement. Là, s'ils ont des ambitions, il faut penser au bonus. Oui, hein. Les pénalités, ils mènent 16 à 7 de toute manière. Oui. Ils ont le temps de réagir. Hein. Pour l'instant, du point de vue score, je dis ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles parce qu'il faut que Saverdun marque au moins deux fois. Voilà. Dont un essai transformé, ce n'est pas encore fait. Donc, ils peuvent, eux, se concentrer sur un bonus offensif qui nécessite des essais. Exactement. Et donc, ils sont quand même encore à 3 essais du bonus. Puisque Saverdun en a marqué également un, la touche. Il en faut 3 de différence. Hein. Oui. Alors là, par contre, le mol, c'est bien structuré, mais il y a eu un écran et l'arbitre pénalise la première. Il y avait un partenaire devant le porteur du vol. Voilà. Et on va. Voyons le coup de pied. Effectivement, regardez, ça change de la première mi-temps avec un très long coup de pied pour Seguela. On est de suite dans les 40 mètres. De Pamier. C'est pour ça, il ne faut pas qu'il s'affole, qu'il fasse des fautes répétées, parce que je répète, s'il y a plusieurs fautes répétées de Allez, la touche. Allez, Delpech. Une touche, bonne prise, oui, de Saint-Tenac. Allez, on progresse, cette fois-ci Saverdun qui progresse intelligemment, mais est-ce que l'arbitre ne va pas sanctionner? Non, tout va bien pour le moment. Bonne progression des joueurs de Saverdun. On continue dans l'axe profond. Toujours, allez, Arnaud Lopez veut le ballon, il l'obtient avec Seguela. Seguela avec une sautée pour... Ah, il n'y a pas en avant. La balle pour Gambin. Dans le désordre a réussi à progresser d'une dizaine de mètres et la balle est repartie. Allez, on reparera du côté de Pamiers. Attention, on est pris, mais on a réussi à aller au sol. La balle Arnaud Lopez. Lopez pour Morelato qui va faire un point de fixation. Allez, on va encore revenir sur le petit côté pour avec une bonne charge. Hein. Et que dit l'arbitre? La balle a été perdue. Donc bonne percussion de Mignot. Balle encore à Lopez derrière la mêlée. Avec. Voilà, on ouvre cette fois-ci. Et là, une bonne action. Est-ce qu'il n'y a pas un écran? Non, l'arbitre ne le sanctionne pas. Allez, on revient encore sur ce côté avec toujours le Mazière. Mazière qui échappe à deux plaquages, mais qui est pris par le deuxième rideau à Pamiers. On ouvre de l'autre côté avec toujours Lopez. Lopez qui vient à hauteur. Ou peut-être un petit plaquage haut. Et que va dire l'arbitre? C'est une pénalité. Alors cette fois-ci, les pénalités, elles sont faites par les joueurs visiteurs. Il y a eu ce plaquage haut. Mais c'est difficile de plaquer Arnaud Lopez qui est très bas et qui fait faire la faute. Hein. Alors que là, il y a un blessé assez important du côté de Saverdun. Alors, on ne voit pas encore qui c'est.
Il s'agit de... On est en affaire autour de lui. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas, c'est pas le demi d'ouverture Seguela, non? Non, ce n'est pas Seguela. Ah, c'est, ça, le jeu, c'est le jeu, c'est... Bien sûr, bien sûr. On sait bien qu'il ne l'a pas tapé pour la manquer. Hein. Bien sûr, alors que... Ah, ça va commencer les... Ah, les changements. Et là, c'est carrément la première ligne, là. Hein. En entier. Allez, là, on a fait rentrer Calcal, on a fait rentrer Laforgue, et si j'ai bien vu, Potou également est rentré. Allez, long dégagement avec à la tombée Mazière. Mazière pour Gambin. Gambin qui va monter une chandelle un peu longue, mais oui, elle est trop longue. Oh, la faute. Ouh là là. Faute, que dit l'arbitre. Alors que... Pourquoi il ne laisse pas l'avantage mais regardez, peut-être un essai pour les Saverts du Noir. Oui, essai Saverts du Noir. Ballon très vite joué par Mazière. Et c'est là-bas qui est allé marquer cet essai. Et bien, je crois que c'est Del Bosque. C'est le troisième ligne centre Del Bosque qui a échappé. Regardez, oui, effectivement, c'est Del Bosque qui a échappé à plusieurs packages et qui est allé marquer. Alors, je n'ai pas compris la pénalité qui avait eu sifflé par M. Seba. Non. Mais Mazière a très bien joué. Il a vu que le côté gauche était déserté par les Apaméens et il a joué très rapidement et essayé. Et vous voyez, tout est remis en question avec cet essai de Del Bosque, très rapidement joué. Et on joue la 49e minute. Je pense que c'est un en avant, repris devant par un, autre, par un partenaire. Et pourtant, je n'ai pas vu de partenaire. On va voir avec Franck s'il peut nous remontrer le début de cette action. Il a été repris devant. Je peux me tromper, mais je sais pas. Sinon, je ne comprends pas pourquoi c'est devenu une pénalité. Mais moi, c'est pareil. Alors, on va voir, on va attendre ce que nous donne le ralenti de Franck, mais je suis surpris, voilà. Alors que Loïc Chalibert si reprend. Si c'est celui qui a fait l'en avant, il a le droit de reprendre. Ah, mais voilà, c'est ça. Il me semble que c'était lui. Que la règle est changée. Voilà, la pénalité, la transformation. Et finalement, l'échec. De... Il a bien fait de manquer la pénalité. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà, et le match est relancé, puisque maintenant, après pratiquement 50 minutes de jeu, eh bien, Saverdun est revenu à deux petits points. Vraiment, les Apaméens font des fautes assez grossières, oui, il faut là, dire. Hein. Là, ils ont joué vite, oui. Ils n'étaient pas remplacés. Ça, ah, c'est Mazière qui joue très bien. Hein. C'est plus bien joué des Apaméens bien joué des Saverdunois que mal défendu des Apaméens. Voilà, allez, à la chute, bonne récupération, voilà. Ça, ça met l'équipe dans de bonnes conditions quand on ne fait pas de fautes sur ces renvois. On voit beaucoup d'équipes perdre le ballon sur ces actions. Et que va faire Arnaud Lopez? Non, il donne derrière et long des... Ouh là là, attention, il aurait pu être contré. Balle récupérée par Jos Hart pour Orono qui est rentré tout à l'heure, qui est un puissant troisième ligne centre qui jouait à Lombès l'année dernière et qui est venu renforcer cette équipe apaméenne devant. Allez, on repart. On a décidé de jouer au rat maintenant du côté de Premier. Avec là une bonne perforation de la Forgue. On va au sol. Allez, le match est lancé là. Hein. Oula, placage, non, l'arbitre ne dit rien, mais non. C'était limite. On a... Oui, il a relâché tout de suite. Allez, on revient encore. Bonne perforation là. Et on veut faire circuler, on veut faire vivre ce ballon du côté de Pamiers maintenant. On a été piqué au vif avec cet essai. Oui. Hein. Et de suite, on les voit très motivés et vouloir reprendre leur distance avec les locaux. Et on voit beaucoup la troisième ligne. Petit coup de pied par-dessous. Attention, le coup de pied, heureusement, n'est pas repris. Mais bonne sensation là, de Saint-Enac qui a vu son ailier Florian Garcia. Malheureusement, le petit coup de pied n'a pas été favorable. Le ballon n'est pas rond. Et donc, c'est une touche qui va être récupérée par Saverdun avec un lancer pour Alain Delpech. Il y a une phrase toute faite en sport qui dit « Le jeu ne demande que faute ». Mais hélas, sous ce match, ce sont vraiment des fautes qui ont provoqué le score. Tout à fait. Plus que du bien joué. Quoi. Oui.
Oui, parce que finalement, on essaie d'envoyer du jeu, mais trop de fautes des en avant. Attention, belle alors, prise. On risque de se mettre. Ah, il y a tout pas en avant. Donc l'arbitre dit que non, et c'est Alvarez avec une très, très très bonne action pour Bouquet, mais qui fait un en avant. Et c'est ça, c'est dommage. Hein. L'action de Bouquet était excellente. Il avait réussi à passer sous l'épaule du défenseur Apameyem, mais ensuite il fait un en avant, et donc c'est une mêlée avec introduction Lopez. Et toujours ces fautes qui viennent polluer le oui, jeu c'est dommage, de Pamiers. Il y avait encore un coup gagnant, hein. Mais un coup à exploiter. Hein. Tout à fait. Parce que quand on commence à jouer derrière la défense, si on enchaîne vite, ça peut faire mal. Hein. Allez, c'est mais une mêlée importante. Les Apamiens, visiblement, ont envie de reprendre le fil du match. Oui, leur distance avec Lopez. Ils mettent la pression là maintenant. Et regardez. Là où oui. Souffre du côté de. Ah, on est bien reparti avec Del Bosque Cora. Del oui. Bosque qui lui fait un bon match aussi. Oui, attention que... le. Ouh là le. Voilà. C'est comme ça qu'il faut jouer. Pour Arnaud Lopez, c'est une excellente touche à 10 mètres de. Voilà, ça c'est profiter du ballon. Ça s'appelle de l'intelligence de jeu. Voilà. C'est profiter du vent. Et donc on s'est rapproché à 5 mètres. Et on va de nouveau mettre surtout en difficulté. Il ne va pas falloir perdre le ballon. Comme son père, c'est une patte gauche et ça l'allait très bien dans ce sens. Ah oui, il était sur son bon pied. Et, oui. Et il a très très bien profité du vent qui souffle légèrement dans l'axe. Mais il n'est pas dans l'axe. Il est un peu en diagonale. Voilà, diagonale le côté gauche. Allez, la touche. Il va falloir qu'il s'applique le nouveau lancé, le nouveau lanceur. Il me semble qu'il est parti. Henri, il a été remplacé. Non, c'est toujours lui. Qu'ils ont l'éclairage à Saverdun. Ah oui, belle touche. Voilà, sinon, c'est bien dégagé. Heures, de toute façon. Avec un bon départ là de ah, de la Forgue. Techniquement, il conserve dégagé. Bien le ballon, hein, quand même. C'est fait. Oui, oui. Et la touche. Est-ce allez, qu'on à va la main. Jouer vite. Non. Non. Donc, on est prudent. Et ce premier quart d'heure, finalement, permet à Saverdun de se remettre. Dans le match et de revenir à une distance. Ah oui, parce que là c'est vraiment à portée de fusil. Ah oui, 16-14. Le moindre point marqué maintenant, ça passe devant. Hein. Exactement. Allez, l'arbitre demande de ne pas faire de conférence. Hein. Attention qu'il ne soit pas sanctionné. On sait, certains arbitres oui. Ont pris l'habitude de. Voilà, ils leur demandent. C'est la dernière conférence de presse avant la touche. Une longue touche avec Saint-Tenac. Allez, on repart intelligemment avec une bonne défense, mais c'est la même faute que tout à l'heure les Apaméens hein, avec un écran du lifter et donc pénalité. Oui. Pour les Apaméens qui vont pouvoir. Oui, c'est l'application stricto sensu de la règle. C'est stricto sensu, pardon, de la règle. Et bon. Ah, on ne trouve pas la touche. Ah, petite faute là. Hein. Là c'est là, dommage là, alors que Gambin. Il a rentré le ballon. Mais Gambin dégage loin et à la tombée, l'arrière Jossart. Il faut aller le chercher, il ne faut pas l'attendre. Hein. En avant, encore en avant, encore en avant. Que dit l'arrière. Et repris devant. Même chose. Attention qu'il n'y ait pas un carton parce que la faute. Ah, mais. On va gagner 10 mètres et peut-être cette pénalité va être dans les cordes voilà. De Jalibert. Là, il y a un manque de sang-froid des Apaméens parce oui. Qu'en rouspétant, les 10 mètres de plus permettent au buteur de la tenter. Et bien sûr, et d'ailleurs, il ne va pas se faire prier. Hein. Voilà, Michel Lopez ça, amène le tee. C'est un signe de quand même fébrilité. De fébrilité, oui. C'est le c'est mot. La fébrilité. C'est le mot. Alors temps, que la mi-temps est longue encore, il reste 25 minutes pratiquement. Bien entendu, alors que du côté de Saverdun, on va là aussi faire rentrer du sang frais. On voit Surac qui se prépare. Vous voyez, il y a une chose qui se passe sur ce match. Les arbitres, ils connaissent très bien les situations des deux équipes. Il sait très bien que... que pour Saverdun, une défaite serait terrible oui. Et que pour Pamiers, une victoire serait importante. Donc, il ne laisse rien passer. Rien. Voilà. Et ça, on ne peut pas le lui reprocher. Ah non.
D'ailleurs, il fait un arbitrage de très bonne qualité. Moi, il n'a fait aucune faute. Hein. Il a arbitré dans oui, l'esprit. Parce qu'il est dans un contexte difficile. Ah, c'est difficile. Hein. Et pénalité pour Jalibert. Allez, qui va peut-être... Voilà, elle, le vent, oh, très bon coup de pied, mais elle va passer à droite. Il n'a pas assez fauché ce ballon. Et donc, on va repartir sur une remise en jeu au 22. Qu'on le veuille ou non, 3 points pour une petite rouspétance d'énervement, là, 10 mètres de plus, qu'on ne peut pas reprocher à l'arbitre. C'est sévère quand même. C'est sévère, oui. Et oui. C'est sévère, effectivement. On peut perdre le match sur ce coup, quand même, s'il n'y a plus rien de marqué. On en a vu des actions... se perdre dans de telles situations. Raison de plus aussi pour ne pas rouspéter quand l'arbitre siffle, il ne va pas revenir en arrière si vous gueulez. Hein. Allez, Brice Gambin, qui va droit devant, qui a mis au supplice Nicolai, qui a du mal à se relever, Arnaud Lopez. Il a été secoué, bonne sautée de Lopez, belle action là des Saverts du Nord, malheureusement. La balle n'a pas été récupérée par les trois quarts. Allez, on a quand même... récupérer le ballon avec encore un départ. Mais la défense apamienne est bien structurée là. Elle n'est pas déstabilisée là. Hein. Ah, là, il y a par contre, il y en a en avant. Et hors-jeu. Qu'est-ce qu'il y a là? Hors-jeu de la défense apamienne. Il n'était pas dans l'axe des pieds du dernier défenseur. Et donc, monsieur Seba. Il va sortir, hein, Jalibert. Il me semble qu'il est blessé. Je pense que c'est Arnaud qui va. Lopez qui va prendre. Il boitille depuis un moment. Depuis tout à l'heure, il avait fait signe déjà. Oui. Et là, il a l'air d'avoir. S'il n'aurait pas fallu le laisser au petit Lopez, cette pénalité. Est-ce que c'est Lopez qui va la tenter? Non. J'ai pas l'impression que vont faire les. Ils vont la tenter, mais par qui? Allez, on va voir. Ah oui, je pense que c'est Arnaud Lopez qui va. Allez, on change encore. Alors que il y a un costaud qui sort, mais il y a un costaud qui rentre aussi. Hein. Marius Nicolai a pris un bon choc. Hein. Je ne sais pas s'il n'y a pas le commotion, protocole je commotion. Je pense. Là. Et c'est la rentrée de Oro. Parce que je vois le. Oui. Le docteur. Je vois que Philippe Caléja. Philippe Caléja. Le docteur maire. Docteur maire de Saverdun. Ancien non. président. Oui. Et non, c'est pas Arnaud hein, qui bute, c'est. Ah, mais c'est Séguéla. Oui. C'est Séguéla qui a pris. Peut-être que c'est loin pour lui, c'est loin pour Arnaud peut-être. Il a perdu confiance peut-être avec cette pénalité ratée tout à l'heure des 23 face au poteau. Voilà, très bon coup de pied de Séguéla. Elle passe pas, elle frise les poteaux. Hein. C'est un bon coup de pied encore. Hein. Ça va. Dans les têtes, ça fait. Ça fait deux. C'est dur quand même. Hein. Ça fait deux. Oui, parce que vous disiez Lopez, il a quand même passé la transformation. Hein. Ben oui. Elle est bien coin. Hein. Mais peut-être qu'au-delà des 40, vous savez, il y a des buteurs de loin, des buteurs de près. Exactement. Maintenant, dans chaque équipe, il y a le choix. Autrefois, il y avait un buteur. Oui. Mais là, Séguéla fait un bon coup de pied. Hein. C'était un très bon coup de pied. Bon, la balle n'est pas passée. Et Alvarez va pouvoir dégager. Et on est à la mi-temps de cette deuxième mi-temps, alors que la sortie de Saint-Tenac qui a fait une excellente moisson à la touche. Et le suspense est toujours total. Allez, encore Gambin qui vraiment a décidé de mettre... Ah, il ne fait pas semblant, lui. Bon, hein. Allez, on est parti avec Arnaud Lopez. Ouh là 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 là. Et il est solide sur ses jambes avec une bonne libération pour les Saverts du Noir. Allez, on va repartir encore, alors qu'on est concentré vraiment là-bas. On sent qu'ils ne vont pas... ouvrir là les Saverts du Noir. Alors, regardez cette concentration. Allez, que dit l'arbitre? Attention à la faute. Ils consomment beaucoup de joueurs dans les regroupements. Donc après, c'est difficile d'écarter parce que maintenant, le soutien tarde à venir. Allez, Lopez qui a vu. Ah, mais bonne défense de. Oui. De Jos Hart avec une chandelle là-bas. Elle est récupérée. Non, il n'y a pas d'arrêt de volée pour Alvarez qui préfère se dégager. On commence à se trouver dans une situation de gagne-terrain parce que les Saverts du Noir savent qu'ils n'ont qu'un coup de pied. Avec un coup de pied, ils gagnent. Donc, le seul intérêt, c'est de rester dans le camp. Parce que tant qu'ils seront dans le camp ils ont une chance de gagner le match, ne serait-ce que sur un coup de pied. Même exactement. N'importe quoi. Donc, c'est la préoccupation numéro un. Là. Puis, on voit le vent qui...
qui deviennent de plus en plus puissants. Allez, on est encore dans les 40 mètres à Pamien avec toujours le talonneur Saver Dunois qui va essayer de trouver. Oula, là, je pense qu'il y a eu une mauvaise annonce parce que personne n'a sauté. Ou mauvaise annonce ou mauvais lancer, mais c'est plutôt l'annonce parce que lui, il lançait au fond. Oui. Alors que Saint-Enac a mis une bonne chandelle, mais les Saver Dunois étaient dessous et ils vont perdre le ballon. Une bonne défense, on est bien monté très rapidement. Oui. Et on a bien coffré l'ailier de Pamien. Je peux me tromper, mais il me semble que dans cette fin de match, les Apaméens sont un peu plus fringants physiquement. Ils ont laissé des plumes, les Saver Dunois, parce qu'ils ont été vaillants quand même. Ils ont eu beaucoup de défense à faire en première mi-temps sur l'homme et sur les regroupements. Alors, tiens, il y a un blessé encore du côté. Ils sont quand même... Et puis le banc de Pamiers est quand même plus puissant que le banc de Saverdun. C'est ça qu'il faut qu'ils tiennent le coup. Et là, les contacts, la rigueur des contacts, la rugosité... que il commence à faire son effet et de jeu, ça fait mal. Il a l'air de s'être fait mal au poignet, oui. Le Saver Dunois, alors qu'on voit l'inquiétude des entraîneurs Saver Dunois. Je peux vous dire que s'ils perdent 16 à 14, c'est beaucoup plus douloureux que de prendre 40 pions. Hein. C'est sûr. C'est terrible, avec le besoin de victoire qu'ils ont aujourd'hui. Ce serait terrible, mais on est loin du compte. Là. Allez, la touche. Il reste un bon quart d'heure. Allez, là, on les sent décider. Oh, l'erreur. Voilà. Quelle erreur. Vraiment, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Oui, non, mais c'est celui qui est venu pour prendre le ballon lancé qui s'est lancé trop tôt. Je pense qu'il y a eu une interférence. Ouais, oui. Et voilà. Allez, monsieur Seba, qui continue à parler beaucoup aux premières lignes. Oui. Et qui vraiment fait beaucoup de prévention. C'est un très bon arbitre. Hein. Oui, d'ailleurs, on n'a pas entendu sur la touche les spectateurs crier au. Il domine son sujet. Ah il est à l'aise. Oui. Il ne se laisse pas intimider par le public, j'en parle pas, c'est pas son problème, mais même les joueurs, tout. Il tient le match. Voyons sur cette mêlée. Côté Saver Dunois. Voilà. Et oui. Elle a pénalité. On la laisse jouer vite. Oh là là. Allez, Mignot. Ils sont vaillants quand même. Hein. Là, le match prend de la tournure. Ah oui, là. Et récupéré par Pamier. Ah oui, attention. Et faute. Et oui. Non, vous voyez, non. Ah, moi j'avais vu une faute. Attention à Liedos qui s'engage, qui est à l'entrée des 22 mètres. Attention, les Apaméens, un temps fort. Ils veulent mettre certainement au supplice les Saver Dunois. Ils veulent se mettre à l'abri. C'est sûr. Parce que une pénalité de plus ne les met pas à l'abri. Hein. Et non. Allez, Saint-Enac, on revient toujours avec Bouquet qui est pris. Mais qui a réussi à trouver un partenaire, mais la défense saverdunoise est imperméable pour le moment. Attention, tout à l'heure, c'est sur plusieurs temps de jeu qu'ils ont réussi à regarder. Et en avant. Alors que c'était bien joué de la part de Horos qui avait passé les bras et malheureusement, nouvelle en avant, ne permet pas aux Apaméens d'inscrire cet essai qui leur aurait fait tant de bien. Et c'était finalement là, c'était. Fasse attention parce que sur la précédente mêlée, ils dominaient, mais et l'arbitre les a accusés d'avoir fait tourner la mêlée. Oui. Et ça, c'est interdit. Donc, il faut pousser rectiligne. Il ne faut pas pousser en travers, enfin, ou un pilier qui lâche et l'autre qui pousse. Ça, c'est un classique. Autrefois, c'était pour pourrir la sortie au demi de mêlée adverse. Alors que là, on a fait. On fait donner vraiment une grosse troisième ligne à Pamiers avec Liedos, Horos et Pécris. C'est quand même. Oui. Du très haut niveau là. Hein. L'avantage de la nouvelle règle pour l'équipe qui est dominée en mêlée, c'est que le numéro 8 peut ramasser le ballon dans la deuxième ligne. Ah, là, ça c'était interdit mieux. Autrefois. Et encore une fois. Là, ça y est, là, ils ont pris le dessus. Là, ça pourrait
finir très mal pour si Marc. Ah, ils s'en sont encore sortis, attention, il va y avoir un sprint, mais Bouquet va plus vite que tout le monde. Oh, il rate le ballon. Non, mais ça fait rien, il n'y a rien. Il a fait un en arrière, c'est incontestable, attention. Il a le soutien, ça va. Toujours ses fautes qui pour lui. Oh, l'erreur. Non, il y en a avant. Il y a eu un en avant, ça vers du noir. Mais... Oh là 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 là, il a bien failli récupérer le ballon. Hein. Heureusement, il fait un en avant sur... Là, franchement, cette passe... C'était hasardeux. Hein. Oui, cette passe en cloche, je ne veux pas accabler le joueur, mais c'est pas très bien joué dans ses 22, alors qu'il est sous la domination adverse. Surtout qu'il risquait rien. Hein. C'était le meilleur moyen d'offrir un essai à l'adversaire. Ça, hein. Il a bien failli lui offrir. Oh là là, ouais. Non, ça, comme quoi, ils ne sont pas si sereins que ça. Et non. Alors que là, ils avaient une récupération de balle sur la mêlée, ils avaient récupéré. Il y avait certainement un décalage en bout de ligne, mais on a préféré revenir dans l'axe. Et là, encore une fois, en avant. Oui, moi, ce que je trouve très bien quand même dans ce match, c'est très tendu au score et tout. Là, on connaît l'importance du résultat, mais ça reste correct. Très correct. Ça reste correct. Effectivement. Ça, c'est à mettre au bénéfice. Enfin, en tout cas, c'est à signaler... Pour les deux équipes, c'est plus équilibré. Allez, on va se dégager par Alvarez qui va. C'est remarquable. Et non, qui ne trouve pas la touche. Hein. Aïe, Gambin. Aïe, Brice. La fatigue. Est-ce qu'il va y aller? Non, il va taper. Non. Ça alors. C'est pas ce qu'il a fait de mieux. Hein. Heureusement, il a bien libéré le ballon. Et le soutien est arrivé assez rapidement. Ils auraient pu être sanctionnés. Le contre-ruck n'a pas marché et ni la récupération. Voilà, là on va se dégager certainement. Oula, et là c'est encore un mauvais renvoi. Attention là-bas, qui n'est pas un décalage fait. Bouquet encore qui est repris à hauteur. Allez, à nouveau temps fort pour Pamiers. On va revenir derrière. Est-ce qu'on va trouver? Non, on ne veut pas aller sur les extérieurs. On revient à l'intérieur où les Saverdunois finalement les attendent. Hein. Aïe, pénalité. Ça y est, on cherche la faute, on l'a trouvée. Pénalité. Pareil, la même chose. Oui. Alors on va jouer jusqu'au bout certainement pour essayer de marquer un essai avec Pécris qui vient à hauteur, qui libère son ballon. On va revenir là-bas. Oula, il y a un décalage qui est fait. Et Liedos qui donne à son deuxième ligne. C'était... Richard, on est près de la rupture du côté de Saverdun, mais l'arbitre va arrêter. L'arbitre va arrêter, et que va dire l'arbitre? Alors, est-ce que l'avantage est terminé ou... Oui, il va revenir à la pénalité. Hein. Ah non, je ne crois pas. Ah, c'est étonnant quand même. Et si l'avantage est terminé, il y a un avant et il y a une mêlée pour les rouges. Je pensais qu'il reviendrait à la pénalité initiale. Tant qu'il tend le bras, il est... Oui, effectivement. Si, d'ici, on ne peut pas l'entendre, mais il a dû annoncer avantage terminé. Tout à fait. Et donc, on revient à la dernière faute. La dernière faute était en avant de Pamiers, donc c'est une mêlée pour Saverdun. Ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien. Hein. Ils étaient sur le point de rupture. Oui. Ils ont défendu avec beaucoup d'acharnement, surtout sur les coups de boutoir. Là. Hein. Les Apaméens ont compris que c'était en continuant dans l'axe. Il ne faut pas aller sur les extérieurs. Là. Le soutien dans l'axe et la défense finit par être en difficulté. Allez, c'est une mêlée très importante. On n'est pas assez proche de la correctionnelle du côté des rouges et noirs. Non. Il va falloir maintenant remonter tout le terrain. Bon, on sait que... Vous allez voir que les Apaméens vont faire l'effort là. Sûrement. Ils vont essayer de la leur pourrir. Parce que on est. Je ne sais pas si vous le voyez sur l'écran, mais regardez la différence de gabarit entre les blancs et les rouges et noirs. Il y a une différence assez incontestable et ça va être dur. Allez, il va falloir qu'ils s'arc-boutent. Et là, c'est nouveau blessé du côté de Saverdun. Et un nouveau changement. Je ne sais pas, c'est Guéla, le demi d'ouverture. Ils ont été courageux. Courageux, là. Hein. C'est dur, là. Oui. Ils ont... Alors que Lopez est repassé à l'ouverture. Et que c'est... Voyez, ils ont fait l'effort. Ah, ils vont récupérer le ballon. Je ne sais pas s'ils ont choisi le bon côté, mais... Et on défend encore. Aïe, en avant. Nouvelle en avant des Apaméens. Hein. Ah, c'est terrible. Hein. Là, alors qu'on a
On a Benoît Morfin derrière nous qui s'énerve sur ces gens avant. Ah oui, parce que là il laisse passer l'occasion de se mettre vraiment à l'abri. Parce qu'à 10 minutes de la fin, si Marc ne s'est transformé, ça sera très très dur. Ah oui, effectivement, il téléphone à Patrick Miroza, puisque Benoît Morfin aujourd'hui n'est pas sur le banc de touche. Il est suspendu suite à quelques incidents à Castelnaudary. Et donc là, il a certainement demandé encore de repartir au rang. Oui, mais là, vous voyez, il y a un problème parce que les Saverdonnois voudraient faire rentrer deux joueurs de première ligne. Mais oui. Et l'arbitre n'a pas voulu. N'entend pas ou fait semblant de ne pas entendre, je ne sais pas, parce qu'il avait sifflé peut-être la mêlée auparavant, donc il ne pouvait pas changer, je ne sais rien. Ah, mais il sanctionne. On est rentré trop vite, effectivement. Voilà, on est rentré avant l'introduction de Sabatier. Allez, on va se dégager. Encore une fois, on n'est pas assez proche de la correctionnelle et une bonne touche trouvée par Lopez. On va revenir aux abords des 50 mètres. Tout est à refaire pour Pamiers. Comme c'était un coup franc, le ballon revient aux Apaméens quand même. Et oui. Il a pu taper directement parce qu'il était dans ses 22, mais il perd la remise en jeu. Alors, est-ce qu'ils vont faire entrer Pujad et Thériau? Ah, ça y est. Ça y est. Alors que Mignot n'en peut plus, le pauvre garçon qui s'est beaucoup dépensé, on l'a beaucoup vu au combat. Ils ont besoin de s'enfrayer en c'est sûr. Et puis, parce qu'en face, il y a du matériel. Il y a vraiment... Oui, il y a une belle équipe, et ça, il faut le reconnaître. C'est sûr. Et vraiment, Percello et Mignot, pendant 74 minutes, ont vraiment fait beaucoup de travail, et surtout face au gabarit. S'ils veulent progresser, ils ont intérêt à travailler leur placement. Leur placement quand le jeu se déroule. Pas au départ. Au départ, tout le monde est placé, mais c'est dans le jeu qu'il faut se replacer. Et encore, une faute, un mauvais lancer. Et Saverdon revient dans les 40 mètres avec une balle pour Sabatier, pour Lopez. Lopez, qui est pris. C'était en arrière, dit l'arbitre. C'était en arrière, dit l'arbitre, je crois qu'il a raison, avec Mazière. Oh, plaquage haut. Non, l'arbitre ne dit que c'est pas en avant. Allez, Déjean pour qui va au combat. Les Saverdunois essaient de se rapprocher pour essayer d'obtenir quelque chose dans ces 5 dernières minutes avec Thériau qui se montre. Oh là, attention de ne pas faire de faute côté Pamiers. Bah, mais on a reculé, on recule et puis. Ils ont du mal à avancer là. C'est très dur pour eux. Hein. Bah oui, mais parce que souvent ils sont arrêtés avec le ballon et la défense est lancée. Hein. Pamiers. Ils subissent une série de plaquages rudes. Terrible. Regardez, ils ont perdu 20 mètres pratiquement. Ah. Hein. Allez, Lopez. Et c'est vaillant, ils continuent, c'est magnifique. Ah, ils sont courageux, hein. Mais le courage là ne suffit pas en l'occurrence. Ah là, pour le moment, allez, il va falloir partir. 30 mètres. Là. 30 mètres. Allez, là on a été obligé de dégager. Est-ce que la touche n'est pas directe. Est-ce qu'il était dans ses 22? Non, mais la touche n'est pas directe. Ah bon, si elle était directe. Elle est restée sur le terrain. Oui. Très très bon coup de pied de Lopez. Hein. Pour se soulager du point de vue pression adverse. Et perte de terrain, ils sont obligés de rendre le ballon. Ils sont obligés. Regardez ce terrible plaquage qu'a subi Lopez. Croyez qu'il est costaud, le petit Lopez, parce qu'il a pris un tampon. Là. Ah oui. Hein. Il aurait pu partir directement au vestiaire. D'ailleurs, il a eu du mal à se relever. Hein. Allez, la touche. Et là, on est rentré dans les 5 dernières minutes. Hein. Oui. Alors, le money time. Le money time est là et on va voir. Qui va avoir la faculté et toujours ces touches difficiles. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que Saverdun est vraiment à portée de fusil. Hein. Ah oui, attention. Il n'y a rien de fait là. Hein. Le ruck était pas loin d'être intéressant. Allez, on va se dégager, non. Attention. Est-ce que le contest va être accepté par... Non, il n'est pas accepté, effectivement. Allez, la balle est libérée. Je trouve que les Apaméens prennent des risques un peu devant. Ça me fait mieux comme ça. Hein. Avec Gambin. Et Gambin qui lui vraiment. Oh là ! Le voilà.
et pénalité certainement pour ce plaquage un peu haut pour le demi de mêlée Saverdunois qui est venu défendre en désespoir de cause et quelques paroles avec Laforgue et pénalité. Alors est-ce qu'ils vont la tenter? Alors moi si j'étais eux je la tenterais. Hein. Non. Et on entend Benoît Marfin ouais, derrière mais... qui ne veut pas qu'il la tente. Hein. Il préfère garder les Saverdunois dans leur camp. Il reste moins de 3 minutes dans le temps. Oui, mais enfin, elle est mal placée pour la tenter parce qu'elle est vraiment en face au vent. Elle est difficile, il y a le vent. Mais quand même, à 19-14, il n'y a qu'un essai pour eux. Et ça fait match nul. 16-14. Oui, mais si la marque, oui, ça oui, fait oui. 19. Hein. Ils ont encore l'opportunité de pouvoir gagner le match. Ouais. Mais il va falloir être... Mais bon, s'ils se sentent forts et rester petit périmètre, pourquoi pas? Parce que en jouant le jeu d'avant... Petit bras, c'est une façon de parler par rapport à l'occupation du terrain. Mais ils peuvent très bien marquer un essai en force. Bien sûr. Un mol pénétrant. Ils ont les moyens. Un départ à ras, d'accord. Le seul problème, c'est que les touches, les lancers à touche sont contrariés par Saverdun, c'est qui est un défici. Allez là. Et là, par contre, il a été bien pris. On n'a pas mis au sol rapidement. Là, on risque d'aller. Ah, mais les Saverdunois se sont bien. Intégré, mais la balle est au fond. Attention, là, l'essai n'est pas loin. Une fois démarré, on est à 5 mètres. On a toujours du mal à progresser, mais là, ah non, on s'est délié. Que dit l'arbitre? Ils vont repartir au ras. Ils vont repartir maintenant, ils vont garder jusqu'à la fin. Ils vont même faire un autre. Sûrement. Ils vont même faire un autre. Ah là, on part et toujours cette bonne défense de Saverdun. De toute façon, là, ils ne risquent rien. Hein. Ils sont tranquilles. Voilà, on va repartir. Ils peuvent toujours arriver. Au Ross. Attention de ne ils pas sont contester. Dans les 7 mètres. Hein. Oui. Vous voyez, là. Ils jouent intelligemment. Ils s'adaptent au temps qui reste à jouer. Voilà. Yedos. Et à l'emplacement où ils sont sur le terrain. Il a failli faire en avant, Yedos. Il n'y a qu'une chose, c'est qu'il ne faut pas perdre le ballon bêtement parce que la contre-attaque peut être terrible. Ah, ben oui. De 100 mètres. Oh, passe un peu haute. Hein. Et on défend vraiment avec un acharnement. Attention, la balle a failli échapper aux Zapaméens. L'attention, ce qu'il conteste. Non. L'arbitre dit que le ballon est disponible et on va encore repartir avec la Forgue. Ils sont encore. Attention. La ligne qu'on voit, c'est les 5 mètres. Hein. Attention. Oh là, il y a un. Le drop. Ah, drop. Il n'est pas passé. Non, mais là, vous voyez, enfin... Ils auraient dû continuer. À faire ça, là, ira. Ah, d'ailleurs, on entend Benoît Marfin derrière qui dit que c'est pas possible. À faire ça, ça sert à rien. Ah non. Il est de votre avis, Jackie. Ça ne les met pas à l'abri. Parce que là, regardez, s'ils le jouent vite, maintenant, ils ont un ballon de gagne. Et tout bon, à je fait. Sais pas si, je ne sais pas s'ils vont l'exploiter, mais... Et pénalité. Ils ont un ballon de gagne, là. Ah, je pense que les Zapaméens ont joué complètement là, à l'envers. Ils peuvent aller en touche. Il faut jouer la touche. Alors qu'autrefois, si on tapait en touche. Et non, c'était fini. C'était fini. Maintenant, s'ils tapent en touche, il faut jouer. Il aurait intérêt à taper par ici. Hein, alors, oui, il est complètement de ce côté. Voilà. Allez, on revient aux 50 mètres. Mais encore un espoir de victoire pour Saverdun. On appelle ça balle de match. Ah, c'est... Alors que l'arbitre, regardez, balle de match. L'arbitre a fait gagner 5 mètres au Saverdunois. C'est un peu la même action que tout à l'heure. Je ne voulais pas être oiseau de mauvais augure, mais je crains qu'il ne termine avec ces 2 points de retard qui vont peser lourd toute la saison. Hein. Alors qu'ils ont eu les occasions difficiles, mais parce qu'ils n'ont pas démérité quand même. Non, hein. Non. C'est un beau match, hein. c'est un beau match plein. Allez, là, beaucoup de rebondissements. C'est le rugby qu'on aime. Voilà. C'est le rugby qu'on belle aime. Action des Zapaméens, des Saverdunois par qui progresse. Attention de ne pas se mettre à la faute. Ah là 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 là. C'est fini. Et c'est fini, victoire de Pamiers. Victoire, il faut bien le reconnaître. Objectivement, non. Les Zapaméens méritent de gagner. Elle n'est pas volée du tout. Non. Mais pour les Saverdunois, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Parce qu'ils y ont cru. Oui. Ils y ont cru à juste titre. Au revoir. Ils y ont cru à juste titre et la défaite est terrible pour eux parce que
à deux, quand on perd de deux points, on sait que on pouvait gagner, quoi. Et il ne récupère qu'un point dans cette terrible bataille. Les deux pénalités ratées, une fois par Jalibert et une fois par Arnaud Lopez, c'est dur pour eux, pour la vaillance qu'ils ont mis. C'est... Allez, on va essayer de faire quelques interviews tranquillement. Je pense que... Mais écoutez, il faut quand même rendre hommage aux deux équipes. Parce que d'abord... Elles se sont très bien comportées du point de vue état d'esprit. L'important pour eux, ça a été de gagner. C'est les Apaméens qui ont gagné. Ils ne l'ont pas volé. Ils ont globalement dominé le match. Mais la fougue et le courage des Saverdunois auraient pu aussi mériter une autre fin, c'est terrible. Enfin, pour avoir joué au rugby, tout le monde le sait, quand on perd de deux points, c'est terrible parce qu'on refait le match mille fois et on trouve mille occasions de passer devant. Mais c'est fait ainsi, c'est ainsi. C'est terrible pour eux parce que ça fait deux défaites consécutives à la maison et à ce niveau-là, c'est quand même embêtant pour la suite de la saison. Mais s'ils jouent comme ça, ils en gagneront d'autres. Hein. Ils peuvent être tranquilles. Mais sur le coup, ça doit être terrible. C'est terrible, alors on va essayer de voir un Saverdunois ou un Apaméen. Tout le monde se contracte. Vous voyez, il y a un très bon esprit sur cette pelouse. Les uns sont déçus, les autres sont très heureux, mais finalement, c'est le rugby aujourd'hui qui est sorti vainqueur de ce derby. Il n'y a pas eu un seul mauvais geste, il faut bien le reconnaître. Un bon arbitrage de monsieur Seba et finalement un score à l'avantage sur un coup de dé puisqu'il y a eu ces transformations ratées. Allez, peut-être Loïc Mazère. Loïc. Allez, le capitaine déçu, on le comprend. Vous avez fait vraiment un très bon match. Défensivement, vous êtes filé. Malheureusement, ces deux pénalités ratées ont un peu changé la donne. Mais je pense que ce match m'a apporté beaucoup au Saverdunois. Vous avez prouvé que vous avez votre place en Fédéral 2. On n'entend pas. Tout à fait. On n'entend pas. Et qu'on continue à travailler avec le groupe qu'on a, ça va passer. C'est sûr que c'est sûr, et vous avez fait vraiment honneur au rugby. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et vous pratiquez un rugby de très très bonne qualité. On peut vous le certifier. On s'est régalé dans les tribunes. Alors continuez. Allez. Allez, bonne continuation. Et que la semaine prochaine, le score soit inverse. Allez, on va essayer d'avoir un entraîneur. Un entraîneur. Samy. Il a ouvert le. Ah bon, oui, c'est ça, il n'a pas ouvert. Si, si. Ah, pardon. Allez, Patrice. On a commencé le match avec Patrice, on le finit avec lui, heureux pour vos joueurs. Ça a été dur, ça a été un bon match, et finalement, le SCA a réussi à garder ses deux points d'avance, mais ça a été dur. Ah, super compliqué, on le savait, on s'y attendait. Des valeurs de Saverdunoise qu'on savait, ils n'ont rien lâché. Voilà, ça a souri pour nous cette année. L'année dernière, ça n'avait pas souri. Voilà, je suis fier pour mes garçons. Je crois que ça fait de mémoire. Peut-être que je me trompe depuis 2004 que Pamiers n'avait pas gagné à Saverdun. Mais voilà, c'est une bonne chose. Et bonne chance pour la suite, pour Saverdun quand même. Et surtout pour nous quand même. Bien sûr. Et vous avez encore pris un point de plus de retard puisque Villefranche a écrasé. Son adversaire aujourd'hui, le score 47 à 12, 5 points de bonus, ça vous met quand même à 6 points, mais rien n'est perdu. La saison est quand même bien, avec cette victoire à l'extérieur, bien lancée. C'est la première victoire à l'extérieur de Pamiers cette année, puisqu'il y avait eu nul à la première journée. À Mazamé. La défaite à Castel et puis la victoire aujourd'hui. Mais oui, mais d'ailleurs, dimanche prochain, on recevra Villefranche. Et j'invite tous les Ariégeois à venir voir la belle partie et faire
le choc fait, ça sera aussi un derby quoi, entre le premier et le second, parce qu'on se replace au second là, automatiquement, oui. Puisqu'on passe devant le 4 qu'on gagnait aujourd'hui, mais on passe devant le 4. Donc voilà, ça va, je pense qu'il va y avoir une belle journée, j'espère une belle partie, j'espère au bout une victoire à Pamiens, enfin on va tout faire pour quoi. Mais il y a du travail, je viens de discuter avec Benoît, il le sait, il y a du travail, ils vont bosser pour rectifier aujourd'hui les imperfections. On l'a vu parce qu'il était derrière nous dans les tribunes, il n'était pas très content de certains choix, surtout à la fin. Ouais, le fait est ce qu'on a gagné, et puis voilà. Voilà. Et bravo à nos joueurs. Voilà, et bravo aussi à l'équipe Saverdun. Et félicitations et bonne continuation. Allez, on va essayer d'avoir un entraîneur Saverdunois. Je ne les vois plus. Est-ce qu'ils sont ils ont quitté? Oui, je ne vois pas Michel Lopez, je ne vois pas Michel Rieux. Je ne sais pas qui interroger du côté de Saverdun, puisque tout le monde, et on les comprend, ils sont très déçus, nos Saverdunois, et donc ils ont assez rapidement quitté la pelouse. Je pense, Jackie, qu'on va faire un Michel, dernier. Il y a Michel Lopez là-bas. Je vois pas Michel. Au centre du terrain, dans le rond central, avec ses joueurs. Allez, je vais essayer il de. Il est en noir, en short. Exact. Allez, on va essayer d'avoir Michel qui est en train d'analyser avec ses joueurs. Michel, un mot. Très déçu, on le sent, vos joueurs. Je vois Brice Gambin qui pleure. On est déçu parce que bon, je pense qu'on avait mis les ingrédients qu'il fallait. On n'est pas trop loin. Non. Bon, il y a... Il y a quelques fautes, voilà, aujourd'hui on fait 2-3 fautes et donc voilà, ils ont la réussite au pied et nous on en laisse au passage. Donc voilà, c'est dur, la défaite est dure parce que les garçons se sont investis par rapport à dimanche dernier où oui. On était peut-être absent. Aujourd'hui les garçons étaient là, ils ont répondu présent à ce qu'on leur avait demandé. Malheureusement, voilà, il nous manque quelques points et ça tient à rien. On aurait pu l'emporter aujourd'hui aussi. Donc, bon, voilà, et félicitations à Pamiers. Bien sûr. Mais est-ce que ce match ne va pas être le fondateur d'un avenir qui me semble souriant pour Saverdun? On a vu très très bonnes choses contre une grosse équipe quand même de Pamiers. Oui, par rapport au match qu'on a joué jusqu'à présent. Il y a eu cet investissement qu'on n'avait pas retrouvé peut-être depuis le début de la saison. Donc je pense que ça va finir par payer. Bon, il y a quelques blessés encore aujourd'hui. Bon, mais enfin, eux aussi en ont. Donc, mais si on continue à mettre l'investissement que l'on a mis aujourd'hui, ça va finir par sourire. C'est sûr, c'est sûr. Donc voilà. On vous le souhaite. Merci. Et que les prochains dimanches soient souriants pour l'UASA. Merci. Allez, bonne continuation. Jackie, un dernier mot, une dernière analyse avant de rendre l'antenne et de remercier Franck et toute son équipe pour l'excellent travail qu'ils ont réalisé cet après-midi. Et le premier mot que je vous dirai, c'est en tant que membre du comité départemental de rugby de l'Ariège, vraiment ces deux équipes qui sont les deux équipes les meilleures d'Ariège nous ont régalé. Et ils ont fait honneur au rugby tout court et au rugby ariégeois en particulier, et je crois qu'il faut les remercier globalement. La deuxième, c'est que Pamiers a vraiment une grosse équipe, ce qu'on appelle une grosse équipe, avec un banc épais, solide, qui lâche le moins de choses possibles. Et les Saverdunois, vraiment, je suis content que vous l'ayez dit à Michel Lopez, les Saverdunois sont sur la bonne voie parce qu'ils nous ont montré... un match de qualité mentale, de qualité courage dans tout ce qui est l'essence même du rugby quoi. Et la solidarité, la défense, vraiment saluons ces deux équipes, Pamiers sur la voie royale, Saverdun a encore de quoi se réjouir parce qu'ils auront des lendemains qui chantent aussi. On le leur souhaite. Jackie, merci d'être venu avec nous, nous apporter toute ta science du rugby. On va remercier Franck à la régie avec Patrick et puis nos deux caméramens, Nadia et Raoul.
Merci, j'espère que vous avez été très nombreux à nous suivre cet après-midi. On vous donne rendez-vous pour un autre gros derby. Ce sera dans 15 jours, ce sera sur le stade du Moulin Neuf à Tarascon. Et ce sera Tarascon qui recevra les verts et noirs de Saint-Girons. Tarascon-Saint-Girons, c'est un autre gros derby. On vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à dans 15 jours. Merci.